God of wonders. Notre Dieu est miraculeux. Our God is miraculous. Il est Wabishima. He is of wonders. Vous savez, quand les gens prient en langue chez nous, moi je trouve que c'est très 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 bon. You know, when people pray like in different languages at home, I feel it's a very good thing. En Kikongo, je dis, ah, c'est bon ça. In Kikongo, I say, oh, that's great. Ah, ah, quand quelqu'un prie en Chiluba, ah. When somebody prays in Chiluba, let me tell you. Je dis, ah, Dieu est en train d'écouter. I say, God can hear that. Praise the Lord. Amen. Amen. Bon, ça c'est moi. That's me. Yes, sir. Nous avons le pasteur Indiang. Levez-vous. We have Pastor Indiang. You may stand on your feet. Au milieu de nous, que Dieu le bénisse. May God bless you. Acclamez très fort pour lui. Put your hands together for him. Il est venu avec trois frères. He came with our three brothers. Qui sont venus de Chicago. They came from Chicago, Illinois. Stand up. Illinois. Le frère Dona. Brother Donar. Bon, Christian, on le connaît ici. Christian. Et Corneille. Acclamez encore très fort pour eux. Put them together for them. Ils ont voyagé pendant 11 heures. They traveled for 11 hours. Vraiment, j'apprécie cela, que Dieu vous bénisse. Really, I appreciate that. May God bless you. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Bien, nous avions commencé notre enseignement sur 70 semaines de Daniel. We have started our teaching about the 70 weeks of Daniel. Vous savez, je ne suis pas un enseignant. You know, I am not a teacher. Come on now. Dans le message, on a eu beaucoup d'enseignants. In the message, we had so many teachers. Moi, je ne suis pas un enseignant. Je répète le prophète William Branham. I am not a teacher. I just repeat the prophet William M. Branham. Et le mercredi, and on Wednesday, j'avais prêché sur les instructions de Gabriel à Daniel. Wednesday, I preach upon Gabriel's instruction to Daniel. Ouf. C'était très bien. That was so nice. Yes. Qui était là ce jour-là? Who was there that day? Aïe, 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 aïe. Je m'étais dit, oh, je commence à devenir enseignant. I say, I'm starting to feel like a teacher. Praise the Lord. Bon, je n'avais pas besoin de ce tableau, mais les frères ont dit qu'on mette le tableau quand même. I didn't need that board, but brothers told me, let's put the board on anyway. Ah! C'était très bon. That was very, very nice. Dit, est-ce que je saurais prêcher mieux que ça? I said, can I preach better than this? Le vendredi. And on Friday.
Et le vendredi, nous étions entrés dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. And on Friday, we went inside the sixfold purposes of Gabriel's visitation to là, Daniel. Là, c'était plus que bon. That was even more than good. C'était merveilleux. That was wonderful. J'ai dit, oh. I say, oh. Comment ça? Ça doit être Dieu qui nous aime. Qui nous aime ici dans l'assemblée chrétienne de Charlotte. Can be only God helping us in the Christian assembly of Charlotte. C'est pas moi, ça doit être Dieu. That's not me, it must be God. Il aime l'assemblée chrétienne de Charlotte. He loves the Christian assembly of Charlotte. Je n'ai même pas prêché ça comme ça à Rigini. Even in Rigini, I didn't preach it like that. Oui, ici j'ai le temps. Here I have time. De m'asseoir. Sit down. De prier. To pray. Et d'entrer dans cette prédication que notre précieux prophète a prêché. And to get in that sermon that our precious prophet has preached. Et c'était merveilleux. That was wonderful. Yes! Je crois que c'était merveilleux. I believe it was wonderful. Qui avait prêché ça le vendredi? I preached it on Friday. Alléluia! Oh, ma main aussi. My hand is well. J'ai dit, ce n'est pas possible. I said, this can't be. This hey! Aïe. C'était merveilleux. Le that was wonderful. Je m'étais dit, ah, comment je vais faire pour le dimanche? I said, how am I going to do it for Sunday? Mais je vous assure, les six buts, donc pour faire cesser les transgressions. Telling you the sixfold purposes, so to make cease pour the mettre fin au péché. To put an end to the sins. Pour expier l'iniquité. To atone the iniquity. Je crois que vous avez tous compris. I believe you understood everything. Yes, we did. Faut pas compliquer les gens. Make things complicated. Et finalement, ils sortent. Finally, they leave. Comme ils étaient entrés. The way they came in. My. Avec des points d'interrogation. With question marks. Dans leur tête. In their head. Mais je crois que vous n'aviez pas beaucoup de questions. But I believe you didn't have too many questions. No. Ah. Même la fille, elle a dit non. Even toi aussi, tu as compris. The girl said no. You understood as well, right? Comment tu t'appelles? What's your name? Béni a compris. Toi aussi tu as compris. Is on the you too, right? Exaucé a compris. Je demande aux enfants qui a compris encore. Children, parmi les enfants. Voilà. Among the children. Voilà. Ketia a compris. Even Ketia a compris. C'est facile. It's et que vous avez aussi aujourd'hui vos cahiers. Do you have your notepad today? Merci beaucoup. Thank you very much. Pour amener la justice éternelle. To bring the everlasting righteousness. Ah, c'était beau. That was nice, yes. Amen. Amen. Pour sceller la vision et la prophétie. Hallelujah. To seal up the vision and the prophecy. Hallelujah. Oh non, il n'y aura plus de prophètes. No, there won't be any more prophets. Daniel a scellé la vision. Daniel sealed up the vision. Oh. On a cité beaucoup de prophètes ici. We said so many prophets here. On a Zacharie. We had on a Malachi, Malachi, Nahum, qui encore? Nahum, Osea, comment? Habakkuk. Après Daniel. After Daniel. Cela signifie ne touchez pas. That means don't touch. À l'enseignement des 70 semaines de Daniel, ne touchez pas. The teaching of Hallelujah, the 70 weeks of Daniel. Don't you touch it. Celle cela. Seal it up. Jusqu'au temps de la fin. To the end time. Mais au temps de la fin. But at the end time. Plusieurs le liront. Many will read it. Et la connaissance. And the knowledge. Augmentera. Will increase. Et au temps de la fin. And at the end time. Dieu enverra un prophète. God will send a prophet. Le même Dieu a dit à Jean. The same God told John. Ne touche pas à ça. Don't touch that. J'ai entendu ce qu'on dit les sept tonnerres. I've read what they say, what the seven tonnerres. J'allais écrire. I was about to write. Toi. What you? Scelle cela. Seal this up. Daniel a vu ça, je lui ai dit de sceller. Toi, Daniel, tu n'as pas compris? I told him to seal it. You didn't get it? C'est pour le temps de la fin. It is for the end time. Ah, Dieu vous aime. So God loves you. Dieu nous aime. God loves us. 70 semaines de Daniel, c'est pour nous. 70 weeks of Daniel is for us. C'était scellé. It was sealed up. Pour les gens de Laodicée. For the people of Laodicea. Il enverra un ange. He's going to send an angel. Avec les sept tonnerres. With the seven thunders. Il va ouvrir tous les mystères qui se trouvent dans la Bible. All the mysteries in the Bible. Y compris 70 semaines de Daniel. And the 70 weeks of Daniel as well. Praise the Lord. Amen. Amen.
Aucun prophète ne pouvait dévoiler ça. No prophet could unveil that. Ils voyaient, ils ne comprenaient pas. They could see but not understand. Daniel a dit, j'ai vu. Daniel said, I saw. Je n'ai rien compris. I didn't get it. Mais c'est quoi? What is it? Quelle sera la fin de ces choses? What's going to be the end of this thing? Ça, Daniel. Go in peace, Daniel. Ces choses seront cachées. These things are going to be scellées. Jusqu'au temps de la fin. Until the end time. Plusieurs le liront. Many will read it. Et la connaissance augmentera. And the knowledge will increase. C'est vrai? Is that right? Yes. Frère, brothers, vous avez la connaissance. You have the knowledge. Yes. Vous croyez à cela? Do you believe it? Oui. Yes. Oui. J'ai entendu mais je ne comprends pas. I heard but I didn't understand. Et j'ai dit mon Seigneur. And I said my Lord. Quelle sera l'issue de ces choses? What will be the end of these things? Verset 9, Daniel 12. Daniel 12 verse 9. Il répondit, va Daniel. He said go Daniel. Car ces paroles seront secrètes. Because these words are going to be hidden. Et scellées jusqu'au temps de la fin. And sealed to the end of the time. Beaucoup seront purifiés. Many will be cleansed. Ce que nous prêchons doit normalement vous purifier. What we preach gotta purify you. Ah oui, vous yes. Voyez que c'est la fin. Well, you see, it's the end. Beaucoup seront purifiés. Many will be purified. Épurés. Made white. Blanchis. Dried. Mais le méchant ne comprendra pas. But the wicked won't understand. Parce qu'il lui a pas été donné. Because it wasn't given to him. Mais ceux qui auront de l'intelligence. Those who can have the understanding. Comprendront. Shall understand. Alléluia. Praise the Lord. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu. Those who know their God. Feront des exploits. Will perform wonders. Quelqu'un peut dire amen à Jésus. Can I hear an amen to the amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Can I say glory? Can somebody say glory to God? Glory to God. Et quand l'ange est descendu. Alléluia. When the angel came down. Et qu'il a parlé. And he spoke. À Daniel. To Daniel. Il dit Daniel. He said Daniel. J'ai parlé pourquoi Daniel? Why did I speak Daniel? Parce que tu es un bien-aimé. Because you are a greatly beloved. Parce que tu es un bien-aimé. Because you are greatly beloved. Oh là là, il faut que je lise. Oh, I have to read it. Oh là là. Alléluia. Je priais encore. I still je pray. Parlais à Dieu. I was talking to God. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi. When Gabriel, the man I saw in the vision, came to me. C'est le verset 9. Hein? Verse 9. Ah, Daniel 9, Daniel 9 plutôt. Daniel 9. Mm-hmm. 21. Écoutez 22. Il m'instruisit et me parla et me dit, Daniel. He informed me and talked with me and said, oh Daniel. Je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. I am now come forth to give thee the skill to understand. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise. Et je viens te l'annoncer. At the beginning of the supplication, the commandment came forth, and I am come to you. Car tu es un bien-aimé. For thou art greatly beloved. Saisis la vision. Catch the vision. Qui a saisi la vision ici? Who did catch the vision here? I did. Yes, sir. Qui a saisi la vision? Who has caught the vision? Il doit être un bien-aimé. He gotta be greatly beloved. Si vous saisissez la vision, c'est que vous êtes un bien-aimé de Dieu. If you get the vision, you are greatly beloved of God. Hallelujah. Amen. Amen. Parce que Dieu ne parle pas à Daniel. Because God doesn't speak to Daniel. Mais Dieu parle à l'âge de Laodicée. But God speaks to the age of Laodicea. Je vous révèle cela. I'm revealing it to you. Parce que vous êtes des bien-aimés. Hallelujah. Because you are greatly beloved. Hallelujah. Quel est cet âge qui peut recevoir une telle bénédiction? Which age can receive such a blessing? Come on now. Il est Daniel. He said Daniel. Tu es un bien-aimé. You greatly beloved. Je dis Laodicée. I said Laodicea. Qui croyait à ce que Daniel a prêché? You believe in what Daniel preached. Vous êtes des bien-aimés. You are greatly beloved. Ah, je commence à devenir prédicateur. Start beginning a minister. Ici, c'est l'enseignement. Here is the teaching. On doit rentrer. We gotta go down. Oh my. On doit retourner nos pieds sur la terre. Lord, we gotta bring our feet back on the earth. Come on. Oh my. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Oh my. Oh, nous sommes pentecôtistes. Ah. We are Pentecostal. Oh. This is ça. Leave us alone. Oh, j'ai écrit le livre sur les. I'd rather talk about. 70 semaines, Daniel. 70 weeks of Daniel. Non. No.
Et Dieu l'a donné à un homme. God gave it to William Marion Branham. His name is William Marion Branham. Pouvez-nous dire gloire à Dieu? Can you say glory to God? Gloire à Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. We are greatly beloved of God. Même vous qui me suivez. Even you listening to me. À la radio. On the radio. À la télévision. On the TV. Ou encore. À l'internet. On the web. Vous êtes des bien-aimés. You are greatly beloved. Beaucoup ont voulu entendre ces choses. Many wanted to hear these things. Ils n'ont pas compris. They didn't understand. Même lui-même Daniel n'a pas compris. Even Daniel himself didn't understand. Même Jean ne lui a pas permis de l'écrire. Even John wasn't allowed to write. Un jour. De la voix. And the death of voice. Du septième ange. Of the seventh. Quand il sonnerait de la trompette. Tous ces mystères. All these mysteries. Hallelujah. Seront dévoilés. Are gonna be unveiled. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Le yes, septième ange. The seventh angel. C'est William Marion Branham. It's William Marion Branham. J'ai beaucoup de respect pour lui. I get so much respect for him. Je suis rien devant lui. I am nothing in front of him. Je tremble. I tremble. Dieu nous a envoyé un prophète. God has sent us a prophet. Un vrai. The true one. Que Dieu le bénisse. May God bless him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Preach on now. Comment? Come on. Et aujourd'hui. And today. C'est plus grand. It's greater. La 70e semaine de Daniel. The 70th week of Daniel. Veuillez vous asseoir. You may sit down. On n'a pas encore commencé. We haven't started yet. Ouvrez vos Bibles. Levez-vous. Open up your Bible. Stand up. Dans Daniel 9. In Daniel 9. Depuis le verset 25. Starting verse 25. Prenons connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disons de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a cette année, cette semaine. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 70 weeks and 3 quarters and 2 weeks. Et non, 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par inondation. And after 3 quarters and 2 weeks shall the Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the ends thereof shall be with a flood. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Et il fera avec beaucoup de solides alliances d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. And unto the end of the war, desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême et des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined that shall be poured upon the desolate. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Dieu notre Père céleste. God our heavenly Father. Nous connaissons qu'un seul Dieu. We know just one God. Et son nom est Jésus-Christ. His name is Jesus Christ. Tu es le roi des rois. You the King of Kings. Et tu es le Seigneur des seigneurs. You the Lord of Lords. Ouvre notre intelligence. Open our understanding. Afin que nous puissions parler de toi. So we can talk about you. Et du plan que toi tu
à préparer toi seul. In the plan that you have prepared yourself. Que tu révèles à tes enfants pour ta seule gloire. May you reveal it to your children for your sole glory. Bénis-nous, Seigneur. Bless us, Lord. Ouvre la parole pour nous, Jésus. Open the word for us, Lord. Utilise-nous, oh notre Dieu. Use us, oh God. Nous n'en sommes pas dignes. We're not worthy. Mais nous croyons en toi. But we believe in you. Nous croyons dans ton amour. We believe in thy love. Ils ne sont pas venus pour rien. They didn't come for nothing. Ouvre leur intelligence. Open their intelligence. Qu'ils puissent comprendre la vision. So they can understand the vision. Qu'ils puissent saisir la vision. They can seize the vision. Qu'ils puissent entrer dans la vision. They can get in the vision. Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ. We ask it in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. You may be seated. Oh là là. Praise the Lord. Je crois que ça vous fait du bien, n'est-ce pas? I believe it's a good feeling to you, isn't it? Yes. Mm-hmm. 70 semaines ont été fixées. 70 weeks were determined sur ton peuple, upon thy people, et sur ta ville sainte, and your holy city. Comment vous pouvez trouver ça? How can you find this? Ici, on parle de semaines. Here, they talk about weeks. Mais ce n'est pas des semaines. But they are not weeks. Une semaine égale 7 ans. 1 week is 7 years. Une semaine représente 7 ans. 1 week means 7 years. As a proof of it. Depuis que la parole était sortie, since the word came forth, le 14 mars, March the 14th, le 14 Nissan, the 14 Nissan, 445, 1445, avant Jésus-Christ, before Jesus Christ, c'est ce jour-là que Daniel a eu la vision. That the day that Daniel had the vision. Le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. March the 14th. 405 before Jesus Christ. Jésus on appelle ça le 14 le mois de Nissan. There they call it the month of Nissan. Jusqu'à la construction de la ville et du temple. Until the building of the city and the temple. Il s'est passé combien d'années? 49 ans. Passed away 49 years. Mais la Bible parle de 7 ans. But the Bible is talking about 7 years. C'est pas ça? Isn't it? Yes. Mais c'est 49 ans. But it's 49 years. On peut lire ça dans la Bible. We can read it in the Bible. Le verset 25. Verse 25. De Daniel 9. Daniel 9. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'à Prince, il y a 7 semaines. That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks. Donc, 7 semaines pour qu'ils rentrent, qu'ils reconstruisent la ville, qu'ils reconstruisent le temple. 7 weeks for them to go back to rebuild the city and to rebuild the temple. Et si vous, eux-mêmes ils calculent ça, ça fait 49 ans. Themselves computing it, it's 49 years. Je vais lire le paragraphe. Le frère Branham ici. I'm reading in the book of Brother Branham here. Paragraph 64. Paragraph 64. Ça a eu lieu le 14 mars. It happened March the 14th. Certains d'entre vous veulent le noter. Do some of you want to write it down? L'ordre a été émis le 14e jour de mars. That commandment was given on the 14th day of March. De l'an 445 avant Jésus-Christ. Of the year 445 before Jesus Christ. L'ordre a été émis de construire, de reconstruire le temple. The order was emitted to build the temple. Jusqu'à ce que ça soit terminé, il a fallu 49 ans. Until it was finished, it took 49 years. Pour terminer le temple et pour terminer la ville. To finish up the temple and the city. Les reconstruire. To rebuild them. Et il est écrit ici dans la Bible. And here he wrote in the Bible. Ah, c'est dans 70 semaines Daniel. 70 weeks of Daniel. La 70e, paragraphe 64. The 70th week, paragraph 64. Donc, then, une semaine représente 7 ans. 1 week means
7 years. C'est clair? Is it clear? Yes. Et alors nous avançons. So let's a step ahead. Depuis la promulgation de la parole jusqu'au Messie. From the declaration of the word until the Messiah. La Bible dit il y aura 7 semaines plus 62 semaines. The Bible says it's going to be 7 weeks plus 3 score and 2 weeks. C'est combien de semaines? How many weeks is it? 69. That's 69. Ça fait fois 7 times 7 483 ans. 483 years. Frère Branham, est-ce que c'est vrai? Brother Branham, is that the truth? Oui, il dit, lisez le paragraphe 84. Yes, I'm reading in the paragraph 84. C'est pas moi, c'est Frère Branham. It's not me, but Brother Branham. Il dit, notre calendrier prophétique. He says, a prophetic calendar nous ramène à 360 jours. Brings us back to 360 days. Nous n'utilisons pas le calendrier julien. We don't use the Julian calendar de Rome, of Roma, qui a 31 jours, that there's 31 days pour certains mois, for some months, 30 jours, 30 days pour d'autres mois, for other ones, 29 jours, 29 days pour certains février, for some February, même 28 jours pour certains even 28 février. Days for some February. Mais nous utilisons ici le calendrier prophétique. But here we use the prophetic calendar. Le calendrier juif. The Jewish calendar. C'est 30 pour chaque mois. It is 30 days for each month. C'est clair? Is it clear? Ce qui nous donne exactement 483 ans. That equals exactly to 483 years. Ah, voilà. 483 ans. 483 years. Voilà. Tout à fait la preuve de la prophétie. This is the correct proof of the prophecy. Exactement la vérité. That exactly the truth. En effet, depuis le moment de l'annonce de construire le temple, from the time of announcement of building the temple, jusqu'à la destruction, to the destruction, quand ils ont rejeté Christ, when they rejected Christ, le mort à l'entrée en 3, they put him to death in the 33 of our era. Il dit 483 ans. He says 483 years. Et paragraphe 88 dit, paragraph 88 says, voilà, c'est exactement ça. You said that exactly that. 483 ans. 483 years. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de construire la ville. From the, jusqu'au prince. The declaration of the word to build the city. A été rejeté. Ça fait exactement 483. To the prince, that's exactly 483. D'après le calendrier. According to the calendar. Je crois que c'est pas tellement difficile. I believe it's not that difficult. Je voudrais simplement vous montrer que. I just want to show you. Une semaine représente combien? 7 ans. One week equals to 7 years. Frère Branham avait fait tout un tableau. Brother Branham wrote on the board. Mais je voudrais être très simple avec vous. I just want to be very simple with you guys. Je crois que jusque là vous me suivez très bien. So far you're following me so far. Ce n'est pas tellement difficile. It is not that difficult. Puis, then, le Messie viendra. The Messiah will come. Qui a compris? Who has understood? 69 semaines. 69 weeks. Ce n'est pas encore 70. It's not 70 yet. Mais, but, on dit puis. Le Messie vient. The Messiah comes. Donc, le Messie vient à la 70e semaine. So, the Messiah comes at the 70th week. Qui n'a pas compris? Who didn't get it? Quand le Messie entre en scène, when the Messiah gets on the scene, donc les Juifs commencent leur 70e semaine. So, the Jews start their 70th week. Et il n'a travaillé que 3 ans et demi. And he's worked only for 3 years and a half. Donc, then, il en reste encore 3 ans et demi. There are still 3 weeks and a half. 3 years and a half, actually. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Donc, à la moitié de la semaine, so, at the half of the week, ils ont rejeté le Messie. They rejected the Messiah. Il n'a prêché que pendant 3 ans et demi. He preached only for 3 years and a half. Il a dit, non, tu ne prêches plus. They said, no, you won't preach anymore. Nous préférons Barabbas. We'd rather have Barabbas. Ils l'ont
crucifié à la croix, Golgotha, devant tout le monde. Front of everybody. Ils l'ont dénudé. They put him naked. Devant sa mère. Front of his mother. Devant les sœurs en Christ. Front of the sisters in Christ. Et Jésus était nu à la croix. And Jesus was naked upon the cross. Vous comprenez? Do you understand? Et c'est pour moi. And it's for c'est me. Pour vous. It's for you. Que Jésus était mort. That Jesus died. De cette façon-là. That way. Prenons l'évangile au sérieux. Let's take the gospel seriously. Je crois que jusque là vous me comprenez bien. I believe so far you understand me well. Yes, we do. Donc, then, il reste aux Juifs 3 ans et demi. 3 weeks and a half are remaining to the Jews. C'est clair. Is it clear? Mais frère Branham, il paraît que dans des endroits ici, well, I'm saying it seems like in some places, dans 70 semaines de Daniel, in that 70 weeks of Daniel, tu dis, you say, qu'il reste encore une semaine aux Juifs. That there is still 1 week remaining to the Jews. C'est dans question-réponse sur le sceau. Question and answer about the seals. Frère Branham, Brother Branham, c'est le paragraphe 370. 370. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines Daniel, Brother Branham, when you brought the message about the 70 weeks of Daniel, je crois que vous avez mentionné, I believe that you mentioned, que la dernière semaine entière, les 7 dernières années, commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. You say that the last week is going to start when the bride is going to be gone in the rapture. Écoutez la réponse de Frère Branham. Listen to Brother Branham's answers. Et comptez les noms. And count the names. Non. I count the no. 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 Non. No. Je commence. I'm starting. Je recommence. Let me start. Frère Branham répond. Non. Brother Branham said no. Non. No. 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 5. 5. Mais. But. Non. No. 6. Mais. But. Non. No. 7. Mais. But. Non. No. 8. 8. Vous m'avez mal compris. You misunderstood me. Là, vous voyez. There, you see. Non pas les 7 semaines entières. Not the whole 7 weeks. La semaine a commencé. The week started. Quand Jésus est venu sur la terre. When Jesus came on the earth. C'est clair? Is it clear? Il a dit, le Messie, le prince viendra. He said the Messiah, the priest will come. Et prophétisera. Will prophesy. Au milieu de cette semaine. In the middle of that week. Il sera retranché. He will be cut off. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi. And Jesus preached exactly 3 and a half. Ce qui correspond à la moitié de 70e semaine de Daniel. That corresponds to the half of the last week of Daniel. Amen. Amen. Des 7 jours de la semaine. 7 days of the week. Des jours de la semaine. Donc, il reste 3 ans et demi. So 3 years and a half are remaining. Qui n'a pas compris? Who didn't get it? C'est clair, non? It's clear, isn't it? Mais il y a un docteur en Allemagne. There is one doctor in Germany. Et tout le monde croit en lui. Everybody believe in him. Il maintient qu'il reste une semaine. He maintains that there's still 1 week remaining. Malgré le non, 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 non. Ça c'est quoi? Despite the no, 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 no. What is this? C'est de l'incrédulité. That's unbelief. Nous croyons au prophète. We believe in the prophet. Nous ne croyons pas en Allemagne. We don't believe in Germany, no. Nous ne croyons pas en Amérique. We don't believe in America. Nous croyons au prophète William Branham. We believe in the prophet William Branham. Il nous dit qu'il nous reste 3 ans et demi. He tells us it's 3 and a half remaining. Come on. Come on. Je ne peux pas t'écouter. I cannot listen to you, no. J'écoute le prophète. I'm listening to the prophet. Ça me suffit. And that's enough to me. Come on. How come? Je peux avancer. Can I step forward? Donc il nous reste
Il restait pour les Juifs 3 ans et demi. So for the church, it's remaining 3 and a half. Oh, ça me fait du bien. That's a good feeling to me. Je vois que je n'aurai pas beaucoup de questions. I see I won't have too many questions. Parce qu'à la fin, je voudrais que quelques personnes posent des questions. Because at the end, I want some people to ask me questions. C'est un enseignement tellement glorieux. It is such a glorious teaching. Je veux que personne ne rentre avec des questions. I don't want anybody to go back with questions. Non, 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 non. No, 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 no. Amen. Amen. Frère Branham, nous sommes arrivés jusque là maintenant. Brother Branham said we got to that place right now. Nous les avons suivis jusqu'au moment où le Messie a été rejeté. Vous voyez? We have followed them until the time that the Messiah was rejected. You see? Dans la dernière semaine. Into the last week. C'est le paragraphe 97. Paragraph 97. C'est clair. Is it clear? Pour moi, c'est clair. For me, it is. Merci beaucoup. Thank you very much. Et il a dit. And it is said, le peuple d'un prince viendra. The people of a prince will come. Pour détruire la ville. To destroy the city. C'est ce qui est écrit ici. That's what is written there. Dans Daniel chapitre 9. In Daniel chapter 9. Verset 26. Verse 26. C'est qui? Who is it? Ce peuple-là qui viendra détruire la ville. That people coming to destroy the city. C'est Rome. It's Roma. C'est Rome. It's Roma. Quand ils vont rejeter Jésus. When they will reject Jesus. Ils vont le crucifier. They will crucify him. Ils vont dire que ce péché-là retombe, que le sang-là retombe sur eux. They will say, let this blood come down on them. Suivez-moi très bien. Follow me very well. Pas seulement sur eux. Not only on them. Et sur leurs enfants. On their children. Donc Dieu a dit, ah, so God says, ah, vous irez encore en captivité. You're gonna go in captivity. Vous jouez avec moi? Are you playing with me? Mais maintenant, ça ne sera plus à Babylone. Now, no, it won't be in Babylon. Mais vous irez en captivité dans le monde entier. But you're gonna be in captivity in the entire world. Luc chapitre 21 verset 24. Luke chapter 21 verse 24. Quelle punition! What a punishment! Eh, 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 eh. Ils ont souffert. They did suffer. Jamais aucun pays n'a souffert comme eux. There's never been a country suffering this way. C'est pour cela que vous devez faire attention à tout ce que Dieu dit dans ce message. That's why you need to be careful about what God says in this message. Ah. Luc 21:24. Maintenant, on commence à montrer comment ils vont souffrir. Now they start showing. C'est Jésus qui parle. Jesus speaking. Commençons même à 17. Vous serez haïs de tous. Let's start on 17. And ye shall be hated of all men. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que la désolation est proche. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof. C'est Titus. It's Titus. Le général de l'armée. General of the army. Romain. The Roman army. À l'an 70 qui était entré à Rome. Year 70 that stepped in Roma. Et Dieu dit, quand vous voyez Titus, and God says, when you see Titus, avec son armée s'avancer, with his army coming forth, ça sera la désolation. That will be the desolation. Amen. Pour le peuple juif. For the Jewish people. Alors ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Those will be in Judea, flee to the mountains. Et ceux qui seront où? À Jérusalem. S'en retire. Let those who are going to be in Jerusalem to step out of it. Et ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. And let not them that are in the countries enter in the city. Ça c'est le verset 21. That verse 21. Donc Jésus leur dit. So Jesus tells them. Ce que Daniel a prêché là-bas. What Daniel preached there, je vous prêche cela aujourd'hui. I preach it to you today. Puisque vous m'avez rejeté, because you have rejected me,
L'armée romaine viendra ici occuper Jérusalem. The Roman army is going to come here to occupy Jerusalem. Quand vous verrez l'armée occuper la ville, when you will see the army occupying the city, fuyez la ville. Flee the city. C'est le verset 20. Verse 20. De Luc 21. Of Luke 21. Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que c'est sa désolation. When ye shall see Jerusalem compassed with army, then know that the desolation thereof is nigh. 22. Car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. 22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Woe unto them that are with child. Oh mon Dieu. Quand il y aura une grande détresse dans le pays. Because there shall be great distress in the land. Que les Juifs n'ont jamais connu. That the Jews never known before. 24. 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. They shall fall by the edge of the sword. Qui était Jésus? Who was Jesus? Dieu lui-même. God himself. Est-ce qu'il peut mentir? Can he lie? Non. No. Quand il a parlé, when he spoke, il restait encore 40 ans. It was still 40 years remaining. C'était vers les années 30. It was toward year 30. Après Jésus-Christ. After Jesus Christ. Mais Titus viendra à l'an 70. But Titus 40 ans après. In the year 70, 40 years later. Faites attention à la parole que le prophète sort. Be careful about the word that the prophet brings forth. Quand le prophète dit quelque chose, when a prophet says something, ça doit arriver. It must come to pass. Même si ça n'arrive pas directement, even though it doesn't happen right away, ça viendra. That will come to pass. Peut-être quand Jésus a prêché, ils ont dit oh non. Maybe when Jesus preached, they say oh no. Qu'est-ce qu'il pense? What does he think? Il veut dire que c'est lui qui a Dieu. He means to say that he got God. Nous aussi nous avons Abraham. We have Abraham. Mais il leur dit, but he tells them, les jours de vengeance viendront. The days of vengeance will come. Et il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. They will fall under the edge of the sword. Luc 21, 24. Luke 21, 24. Ils seront amenés quoi? Captifs où? Parmi les nations. And they shall be led away captive into all nations. Quand ils avaient refusé ce que Jérémie avait dit, when they refused what Jeremiah said, ils étaient amenés captifs où? À Babylone. They were taken captive in Babylon. Mais quand ils choisissent Barabbas, but when they choose Barabbas, et ils refusent ce que Jésus lui-même leur dit, and they refuse what Jesus himself tells them, ils seront amenés captifs où? They're gonna be taken captive where? Dans le monde entier. In the entire world. Dans toutes les nations. In all the nations. Les gens haïssaient les Juifs. The people hated the Jews. Les Juifs furent tués même en France. The Jews were killed even in France. That's right. Même en France. Avant Hitler. Even in France before Hitler. Parce qu'ils étaient riches. Because they were wealthy. Ils avaient beaucoup d'argent. They had so much money. Les Français commençaient à les tuer. The French started killing them. Ils étaient haïs chez Mussolini en Italie. They were hated in Italy with Mussolini. Mussolini s'était joint à Hitler. Mussolini joined Hitler. Et il a exterminé tous les Juifs qui étaient chez lui. And he slaughtered all the Jews that they had. Hitler lui-même a tué plus de 6 millions de Juifs. Hitler himself killed more than 6 million Jews. Simplement parce qu'ils avaient rejeté. Just because they rejected. Leur Messie. Their Messiah, come on now. C'est dur, hein? Ah, that's tough. Mais c'est vrai. But it's the truth. Ils seront amenés captifs où? Parmi toutes les nations. They're gonna be taken captive into all nations. Ça c'est le peuple juif. These are the Jews. Mais pour Jérusalem. But for Jerusalem. Et Jérusalem sera foulée où? Aux pieds. And Jerusalem shall be trodden down. Par les nations. Of the Gentiles. Vous savez que Jérusalem a été même colonisée plusieurs fois. Do you know that Jerusalem was colonized so many times? La dernière fois c'était l'Angleterre. The last time was England. Qui va coloniser un peuple de Dieu? That is going to colonize the people of God. Comme Israël. Like Israel. C'est parce qu'ils avaient rejeté leur Dieu. Because they rejected their God. Parce qu'ils n'avaient pas compris leur visitation. They didn't understand their visitation.
Amen. Amen. Oh, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Until the times of the Gentiles be fulfilled. Dieu a un plan. God has a plan. Il devait sauver les nations. He was to save the nations. Il a aveuglé son peuple. He blinded his people. Paul le dit clairement dans Acte 28. Paul says it clearly in Acte 28. Je ne sais pas si je trouverai ça facilement. I don't know if I'm. Il dit puisque vous ne voulez pas de Jésus. He said because you do not want Jesus. Ah, je me retourne maintenant. Now I'm turning myself. Je vais maintenant vers les nations. I am going toward the nations. Il dit, ils écouteront. He said, them, they will listen. C'est Acte 28 combien? Acte 28, which verse? Et Paul avait raison. And Paul was right. Les nations ont écouté. The nation listened. Vous croyez à cela? Do you believe? I do. Et c'est ce que nous sommes. That's what we are. L'épouse de Jésus-Christ. The bride of Jesus Christ. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va arrêter avec les nations. God knows when he's going to stop with the nation. Il dit jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Until the times of the Gentiles will be fulfilled. Quand est-ce que le temps des gentils sera accompli? When will the time of the Gentiles be fulfilled? Romains chapitre. Chapitre combien? 11, hein? Romans chapter. Ça, je vous ai déjà enseigné ça, non? I've taught it to you, right? Prenons ça, Romains chapitre 11. Let's take it, Romans chapter 11. Il dit ceci. This is what he says. Le verset 25. Verse 25. Je veux frère. Je veux pas frère que vous ignorez le mystère. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles be coming. C'est que Dieu connaît tout. That means God knows everything. Il sait qui sera sauvé dans les nations. He knows who is going to be saved among the nations. Et il sait qui sera sauvé parmi les Juifs qui sont restés. He knows who is going to be saved among the Jews that stay. Et Dieu ne perdra aucun. And God won't lose any. Il a dit jusqu'à ce que la totalité des nations soit sauvée. He said until the fullness of the Gentiles will come in. Ne pensez pas que ce sera toutes les personnes qui sont dans les nations qui seront sauvées. Don't think everybody in the nation are going to be saved. Lui connaît qui va être sauvé. He knows who's going to be saved. Et il a mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau. He put your name in the book of life of the Lamb. Et il attend que toi tu te donnes à lui. And he's waiting for you to give yourself to him. Que tu viennes à lui. For you to come to him. Mais pourquoi tu tardes? Why are you lingering? Il attend. He's waiting. Et quand tous ses enfants vont entrer, when all his children will come in, maintenant il tournera le dos. Now he's going to turn his back. Aux nations. To the nations. Il va maintenant regarder. He will look away. Aux Juifs. To the Jews. Parce que Dieu ne traite pas. Because God doesn't deal. Avec et les Juifs. With the Jews. Et les nations. And the nations. En même temps. In the same time. Et notre horloge. And our clock. C'est Israël. It's Israel. Comment est-ce que nous saurons que Dieu va maintenant commencer avec Israël? How we know that God is about to start with Israel? Et Jésus l'a dit. Jesus said it. Dans Matthieu 24. In Matthew 24. Jésus nous a prêché. Jesus has preached to us. Il a prêché à qui? Who did he preach to? Aux apôtres. To the apostles. Non. Il nous a parlé à nous du temps de la fin. He spoke to us, people of the end time. Parce qu'il dit, vous ferez.
Because he said you will see guerre. You will have war. Vous entendrez parler de bruit de guerre. The noise of war. Vous verrez des faux prophètes. You will see false prophets. Vous verrez des tremblements de terre. You will see earthquakes. Des tsunamis. Tsunami. Des famines. You will see, vous famine. Pensez qu'il parle aux apôtres? You think he's talking to the apostles? À nous. To us. C'est nous qui voyons ça. We didn't want to see that. J'étais en Haïti. I was in Haiti. 200 000 personnes. 200,000 tués en un jour. Killed in one day. Je pleurais en Haïti. Tu étais avec moi. I cried in Haiti. You were with me. Je les ai embrassés en pleurant. I heard them crying. C'est la désolation. That's the desolation. Ce qui s'est passé au Japon. What happened in Japan? Vous voyez. De l'eau au-dessus des buildings. You see water on the top of the buildings. Et des voitures sur des buildings. And cars on the top of buildings. C'est quoi? What is it? Ce sont des tsunamis. These are des tremblements de terre. These are earthquakes. Que Jésus avait prédit dans Matthieu 24. That Jesus foretold in Matthew 24. Quelqu'un peut dire amen? Can I hear an amen? Parce que je dis la vérité. Am I saying the truth? You are. Il dit quand vous voyez Israël, he says when you see Israel, retourner dans sa patrie, going back in his country. C'est le verset 32. Verse 32. Matthieu 24 32. Matthew 24 32. Il dit recevez l'enseignement. He said receive the teaching. C'est un enseignement. This is a teaching. Israël est notre horloge. Israel is a clock. Il dit recevez l'enseignement de la parole du figuier, parabole du figuier. Receive the teaching of the parable of the fig tree. Parabole, c'est un secret. The parable is a secret. On vous raconte comme si c'était quelque chose d'une histoire. They tell you like it's a story. Mais ça voile un secret. But it's veiling a secret. Quand vous voyez le figuier. When you see the fig tree. Qu'est-ce que le figuier fait? What does the fig tree do? Seigneur Jésus. Lord Jesus. Dès que ses branches deviennent tendres. When his branch is yet tender. Et que les feuilles poussent. And the leaves are put forth. Vous savez que l'été est. You know that summer is nigh. Quand vous voyez Israël, when you see Israel, devenir une nation, becoming a nation, après 2000 ans de dispersion dans le monde, 2000 years of spreading in the world, est-ce que ça s'est déjà fait dans le monde? Has it happened before in the world? Esaïe dit, Isaiah said, est-ce que vous avez entendu cela quelque part? Have you heard it somewhere else? Une nation naisse en un jour. For a nation to be born in one day. Parlez-vous qui a entendu ça? Who has heard it before? Dans le monde. In the world. Qu'une nation naisse en un jour. A nation to be born in one day. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Il dit quand vous voyez cela. He said when you see that. Israël devenir une nation. Israel becoming a nation. Attention. Be careful. Bientôt Jésus va regarder à Israël. Jesus will look to Israel. Oh my. Vous jouez les dernières minutes d'un match. You're playing the last minute of the game. Comment on appelle ça? Prolongation. The extra times. Quelqu'un peut dire amen. Can I hear an amen? Quand vous voyez ça, when you see that, le figuier représente quoi? Israël. The fig tree represents what? Israel. Ah. De même, quand aussi vous voyez, vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near even at the doors. Matthieu 24, 34. Matthew 24, 34. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point. Verily, I say unto you, this generation shall not pass. Je vous dis. I'm telling you. Quand nous serons au ciel, when we shall be in heaven, vous allez me remercier. You're gonna thank me. Yes. Vous n'allez pas mourir vous tous ici. All of you won't die here. No. Vous verrez Jésus revenir dans les airs. You see Jesus coming in the air. Je vous dis la vérité. Tell you to fight. Believe that. Je vais vous dire qui je suis. Let me tell you who I am. Go ahead now. Veuillez vous asseoir. Sit down, please. Oh my. Oh my. Asseyez-vous. Sit down. Je vais vous dire qui je suis. Tell me who I am. J'étais enfant. I was a child. De 7 ans. 7 years old. Et on s'est lavé avec des amis au fleuve. We went take a bath in the river with friends. Un certain enfant qui s'appelait Bobo m'a poussé dans le fleuve Congo. Some child called Bobo, he pushed me in the river Congo. J'ai essayé de nager, j'étais dans le fleuve. I tried to swim. I was in the river. Je suis sorti deux fois. Je voyais déjà le beach Ngobila. And I saw already the harbor Ngobila.
Je pensais à ce que ma mère m'avait dit, tu seras prêtre catholique. I thought what my mother told me, you're going to be a Catholic priest. Nous te donnons à Dieu. We give you to God. Je dis à Dieu. I told God. Je vais mourir. I'm dying now. Je vais mourir. I'm dying. Oh Dieu. Oh God. Aide-moi. Help me. Une main m'a touché ici. One hand touched me here. Et m'a poussé comme ça. And pushed me this way. Je me retrouve. I find myself. Là où j'étais. There I was. Et je sors de l'eau. And I come out of water. Frère, vous pensez que ça se fait toujours comme ça? You think it happens like that all the time? Jamais. Et aujourd'hui, je suis vivant. And today I'm alive. Veuillez vous asseoir. Sit down, please. J'étais malade en 1976. I was sick in 1976. J'avais une ulcère gastro-duodénale. I had an ulcer down there in the stomach. Un mois après m'avoir donné du sang, perfusé du sang, les Américains étaient fatigués. Giving me blood, the Americans are, they gave up. À Maman Yemo. At Mama Yemo. Ils voulaient me faire avaler une liquide blanche. They wanted to help me to swallow a white liquid. Alors que dans mon lit, je dormais la tête en bas. And in my bed, I was sleeping head down. Je ne savais plus m'asseoir. I couldn't sleep. Ni me tenir debout. I couldn't sit or stand. Tout le temps dans le coma. All the time in the coma. Mais il y avait un soldat toujours à côté de moi. There was a soldier standing with me. Je ne sais pas d'où il venait. I don't know where he was coming from. Je le voyais de temps en temps. I saw him time to time. Quand je sortais de mon corps, when I come out of my body, je vois ce soldat-là. I see the soldier. Géant comme ça. Tall. Habillé en tenue militaire. He had the military's outfit. Même tout l'hôpital le voyait. The entire hospital could see that. Dieu te connaît. God knows you. Il est Jéhovah Shammah. He's Jehovah Shammah. Il ne t'a jamais abandonné. He's never abandoned on you. Il ne t'abandonnera jamais. He will never abandon on you. Asseyez-vous. Sit down. Si vous voulez que vous puissiez savoir qui vous parle aujourd'hui. I want you to know who is talking to you today. Quand ils m'ont donné cette liquide là, when they came with that liquid, ils ont essayé de me mettre debout. They tried to make me stand up. Je suis tombé. I fell. Parce qu'il n'y avait plus de sang dans mon cerveau. Because there was no more blood in my brain. J'étais mort. I was dead. Je suis sorti de mon corps. Came out of my body. Je voyais mon corps. I saw my body. Et je suis entré dans une nuée. And I went in a cloud. Pour aller dans une autre dimension. To go in some other dimensions. Heureusement que ma mère m'avait déjà écrit. You think that my mother already wrote to me? Mon fils, j'ai eu une vision. My son, I had a vision. Dieu m'a parlé. God has spoken to me. Cette maladie ne te tuera pas. That sickness won't kill you. Je t'ai vu prêcher. I saw you preaching. Habillé en robe blanche. Yes, with a red dress. Bien nu. Prêcher aux petits blancs de 12 ans. You were preaching to little white people, 12 years old. J'étais sur une prairie sans fin. I was ils étaient sur une prairie sans fin. They were like in a prairie endless. Et une voix lui dira. Voice will tell her. Dis à ton fils. Tell your son. Que cette maladie ne le tuera pas. That sickness is not. Il est mon serviteur. He is my servant. Il prêchera dans le monde He's entier. He's going to preach all over the world. Praise the Lord. Et j'étais mort. And I was dead. Les Américains blancs étaient en train de me réanimer. The white Americans were trying to bring me back. Mais j'étais mort. But I was dead. Dans cette nuée. And in that cloud. Ça c'est loin. This is far. Même là c'est loin. Even je suis entré dans la nuée un peu vers le bouton ici. I went in the cloud about the tall of the bottom. Même pas une minute, je suis dans un monde. Not even in a minute I'm in a world. Je regardais ce monde. I was looking at this that world. J'ai vu que j'étais moi aussi. I saw I was also en robe blanche with a white robe. J'ai vu des femmes noires. I saw women black. Très jolies. Very beautiful. Avec les cheveux jusqu'ici. With their hair going down this way. Et quand ces femmes parlaient, these women were speaking. Les dents scintillaient. The teeth brillaient. Were shining. Oh là là, avec quelle beauté, une peau noire très belle. Beauty, very black, nice black. Ils m'ont dit, Pasteur Barout ici. They told me, Pasteur Barout here. J'ai dit oui. I said yes. Ils m'ont dit non, tu dois rentrer. They said no, you need to go back. Ces femmes marchaient sans marcher. Were walking without walking. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. Their feet could not touch the ground. Il y avait une lumière plus que cette fois le soleil. A light more than the sun. Et il n'y avait pas d'ombre. There was no shadow. Et il y avait un bonheur dans le cœur. There was a happiness in the heart. Simplement parce qu'on se trouvait dans ce bonheur. Because we're in that happiness. Dans ce soleil là qui n'est pas le soleil. That sun that is not the sun. Et je vois les hommes qui viennent de notre côté. I see them coming on the other side. Et là c'était plus précis.
Say it was more precise. Je voulais me retourner. I wanted to turn around. C'est la chaise qui m'a retourné. It's the chair that turned me around. Je regarde la chaise. I look at the chair. C'est comme si j'étais né avec cette chaise. Like I was born with a chair. Là, there. Je suis un prince. I am a prince. Yes, sir. Ça c'est la vérité. C'était une couronne. That was a crown. Je dis couronne. C'était un trône. It was a throne. C'était pas une couronne. It wasn't a crown. Je dis mais comment ça me passe? I said how come I'm feeling so well in there. Ils m'ont dit pasteur Baruti. They told me pasteur Baruti. Tu dois retourner. You need to go back. Ton travail n'est pas terminé. Your work is not done. Tu prêcheras dans le monde you're entier. Going to preach all over the world. Et tu amèneras beaucoup d'âmes à Christ. Many people et tu le prépareras à sa seconde venue. You're going to prepare for the second coming. Et je me retrouve couché. I find myself lying down. Et ce blanc l'a crié. That white was shouting. Laissez, il est revenu. Let him, on continue à me mettre ces histoires-là. Boom. They continue to put these things. Boom. 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 L'homme n'a pas vu que mes yeux étaient déjà ouverts. The man didn't see that I was already. Alors l'autre médecin, là, son collègue, il est revenu. He came back. Et je regardais comme si j'étais venu d'un autre monde. I came from another world. Comme si je sortais d'un sommeil profond. I was coming from a very deep sleep. Je ne comprenais pas là où je me trouvais. I couldn't understand where I was. Ils ont dit vite. They said quick. Ramenez-le au pavillon 8. Bring him to a pavilion 8. J'étais sur le brancard. I was on the bed. Mais il était mort. Oh, he was dead. Il était mort. He was dead. Frère, brothers, je suis exactement. I am exactly. Comme le pauvre Lazare. Like the poor Lazarus. On avait demandé que le pauvre Lazare retourne pour leur dire qu'il y a une réalité. They asked the poor Lazarus to go back to say there is a reality. Après la mort. After death. Ce n'est pas la fin. It is not the end. Après la mort. After death. Il y a une vie supérieure à ce que nous voyons. There is a life higher than what we see here. Il y a une clarté sept fois le soleil. There is a shine seven times. Et il y a l'amour dans le cœur des gens, dans les yeux des gens, there dans les personnes que vous voyez. The love in the eyes of the people that you see. Et il y a le bonheur. And there is the happiness. La félicité. The bliss. La joie. The joy. La liberté. The freedom. Vous connaîtrez Dieu comme il vous a connu. You will know God the way he has known you. Paul ne l'a pas révélé. God did not reveal him. Mais moi je vous révèle cela. But I reveal it to you. C'est la vérité. That's the truth. Dieu existe. God exists. Le paradis existe. The heaven exists. La vie éternelle existe. The everlasting life exists. Je peux m'arrêter là? Can I stop there? Amen. Amen. Personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. No one can tell me that God doesn't exist. Parce que Dieu m'a parlé. Because God spoke to me. Il m'a dit. He told me. Je jeûnais. I was fasting. Et on était avec des frères. We were with brothers. C'était le quatrième jour de jeûne. That was the fourth day. On a fait trois jours de jeûne. We were 3 days in fast. Et ce jour-là, that day, on voulait continuer. J'étais avec mon épouse. We wanted to continue. I was with my wife. Et on veillait chez moi. And where are in Dolo. At home in Dolo. Ma maison était en étage. My house was at the stairs. Une voix me dit, a voice will tell me, mon serviteur, my servant, Brody. J'ai dit, qui m'appelle? I say, who is talking? Pas une vision. Not a vision. Une voix comme ça. A voice like this. Il dit, c'est moi. He said, that's me. Va dans la chambre. Go in the bedroom. Ne me regardez pas comme un homme spécial. Don't look at me as a special man. Je suis votre frère. I'm your brother. Vous êtes plus que moi. You are more than me. Mais Dieu a fait ça avec moi. But God did it with me. C'est la vérité. That's the truth. Je suis allé dans la chambre. I went in the room. Il me dit à genoux toi. Let me kneel down. Je me suis mis à genoux. And then down. Il me dit je t'avais dit de fermer la porte. Ta femme va entrer. He said I told you to close the door. Your wife je suis allé fermer la porte. I went I locked Et ma the femme door. Est venue toucher la I porte. C'était trop tard. To touch the door. It was too late. Il m'a dit je vais te donner trois clés. He said I'm gonna give you 3 keys. La première clé. The first key. Tu es mon serviteur. You're my servant. Tu prêcheras l'évangile. You're gonna preach the gospel. La deuxième clé. The second key. Tu as un don de guérison. You have a healing gift. Il arrivera. It's gonna happen. Quand tu prêcheras. When you're gonna preach. Les malades seront guéris. The sick will be healed. Et la troisième chose. And the third thing. Quand les fausses doctrines entreront dans le message. When the false doctrine will come in the message. Tu prieras le Seigneur. You're gonna pray the Lord. Je te donnerai la force. I'm gonna give you the strength. Écoutez cela dehors. To kick them out. Asseyez-vous. Sit down. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sit down, please. Vous avez déjà vu un homme? Have you seen a man? Qui devant tout le monde? In front of everybody.
reçoit le joug sur sa tête, receives a burden on his head. Moi, je l'ai pas encore vu. I've never seen that. Moi non plus. Jamais. On discutait avec les gens du groupe de prière de Bandal. Fussing with people of a prayer group in Bandal. De Isangila. Of Lisangila. Et il disait que le message de Frère Branham était faux. The message of Brother Branham is wrong. Et Frère Mbombo m'a pris. Brother Mbombo took me. Il était mon pasteur. He was my pastor. Il m'a amené là-bas. Il dit, ah, cet homme sait parler. This man can speak. Et j'arrive. And I get there. Et quand on commence seulement à prier, when you just start praying, Dieu vient sous la forme d'un tourbillon. Of a whirlwind. Oh. Hallelujah. C'est beau à voir. That's beautiful. Et je dis, mais on disait que le tourbillon c'est le diable. The whirlwind is the devil. Mais c'est Dieu. But it's God. Quand il a parlé à Frère Branham, Frère Branham était enfant. Il était venu autour de cet arbre-là sous la forme d'un tourbillon. The shape of a whirlwind. Et il lui a dit, ne fume pas. He told him, don't smoke. La voix sortait the voice was coming de ce tourbillon. Of that whirlwind. Ne souille pas ton corps avec les femmes. Don't defile your body. La voix sortait the voice was de ce tourbillon. Of that whirlwind. Et quoi encore? Ne prends pas de l'alcool. Don't drink alcohol. Depuis le tourbillon. From the whirlwind. Car j'ai un travail à faire avec toi. Because I have to work, a work to do with quand you. Quand tu seras grand. When you will grow up. J'ai entendu. I see a whirlwind. Ce tourbillon était that sur nous. Whirlwind was on the top of us. Et puis un oiseau est venu sur ma tête. And then a bird came on my head. Hallelujah. Et l'oiseau n'est pas parti directement. The bird didn't go away right away. L'oiseau a fait plus de 30 minutes. The one stayed for 30 minutes. Quand on a terminé la prière, when we finished the prayer, je leur ai dit, est-ce qu'on peut parler? I told them, can we speak? Ils ont dit non, non, non. They said, no, no, no. Il est maintenant dans le message. He's now in the message. Il s'appelle Kapuku, souris. His name is Kapuku. C'est lui qui he's like a mouse. Qui est le grand responsable de notre église de 18e rue, the greatest responsible à Kinshasa. Of 18th street in Kinshasa. Les noms révélés. They are not revealed. Souris. Il a changé de nom tellement j'ai prêché là-dessus. Souris a changé de nom, mais on l'appelait quand même Souris. Kapuku. They were calling him Mouse. Alors il me dira, then he's gonna tell non, me, no. Vous avez prié et jeûné. You have fasted well. Laissez-nous prier et jeûner aussi. Let us pray fast. Je leur ai dit, moi on m'a pris seulement ici. I was just taken here. Là où se trouve la boulangerie. There where the bakery is. Même à pied ici, c'est feet. Moins de 5 minutes. It's less than 5 minutes. Je n'ai pas prié, je ne savais même pas. I didn't pray, I didn't even know. On devait avoir cette confrontation. That we had to have that confrontation. Mais le message de Frère Branham, il l'avait. But the message of Frère Branham is the truth. Il m'a dit non, 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 nous devons prier d'abord. No, no, we gotta pray first. Partez, nous allons jeûner nous we aussi. We gotta fast us as well. Écoutez, sur la montagne là, up on the mountain, avec Élie, with Elijah, ils avaient aussi jeûné. They did fast. Mais le feu n'était pas descendu. But the fire did not come down. Come on now. Ah, il m'a dit c'est la magie. He told me it's magic. Et l'oiseau était sur ma tête. And the bird was on my head. Pendant qu'on causait, we were talking, je lui ai dit qu'est-ce que j'ai sur ma tête. I told him what I have on my head. Quand vous me dira, un oiseau. The mouse is going to tell me a bird. Je dis vous avez souvent les oiseaux ici sur vos têtes. I said you have birds on your head many times. Il m'a dit allez. He said oh get out. C'est la magie. That magic. J'ai été attristé. I was sad. Mais l'oiseau était toujours là. But the bird was still there. Dieu n'a peur de personne. God is afraid of nobody. Quand il voulait partir, when he wanted to go, d'abord le vent là est venu vers moi. First the wind came to me. Et puis l'oiseau entre dans le vent. Then the bird gets in the wind. What? L'oiseau est parti. The bird is gone. Alléluia. Moi des hommes comme ça, je connais pas beaucoup, hein. Those kind of men, I don't know many of them. Je connais pas beaucoup. I don't know many. Alors je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Je crois. Croyez à ce que je vous prêche. Believe what I'm preaching. Laissez-moi continuer mon enseignement. Let me continue my teaching. Puisque Frère Branham, quand il a enseigné ça, il leur a dit qui il était. When Brother Rama preached that, he told them who he was. À la 70e semaine de Daniel. In the 70th of il Daniel. Dit, personne ne peut m'enlever ça. So no one can take it away from me. Dieu m'a parlé. God spoke to il me. A commencé à parler de son ministère. He started talking about his ministry. Pour qu'on puisse croire en moi. Because they can't believe in me. Il faut que je dise ce que Dieu a fait avec moi. I need to say what God has done with me. Je ne suis pas un aventurier. I am not somebody who is playing around. Quand Dieu m'appelait, je ne croyais même pas en Dieu. When God called me, I wasn't even believing God. Exactement comme Paul. Exactly like Paul. Je le remercie. I thank him. Je le remercie. I thank him.
Donc, then, le peuple d'un prince viendra. The people of a prince will come. C'est écrit, hein? It's written. Rentrons maintenant dans notre histoire. Let's go back to our story. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. On parle du peuple d'un prince qui viendra. C'est Rome, hein, je dis. They talk about a people of a prince that will come. It's Roma, I say. Je crois que ça vous savez. I believe you guys know that. Yes, we do. Ah. C'est dans Daniel chapitre 2 verset 34 et 35. Daniel chapter 2 verse 34 and 35. Quand le roi Nabuchodonosor a eu une vision. When the king Nebuchadnezzar had a vision. Je crois que ça vous savez. I believe you guys know that. Et la statue qui avait la tête d'or. The statue that had a golden head. Ainsi de suite. And so forth. Et qui avait les jambes en fer. And had the iron legs. Ah, et les orteils là étaient mélangés avec quoi? De l'argile. And the toes were mixed with clay. La tête d'or c'était Nebuchadnezzar. The golden head was Nebuchadnezzar. Qui dirigeait le monde à cette that époque-là. Was ruling over the world. Le roi de Babylone. The king of Babylon. Il viendra un autre roi. Another king will come. Darius. His name will be Darius. Le roi des Mèdes et des Perses. The king of the Medes. Ils vont diriger le monde. They're going to rule all over the world. Après lui, les Grecs vont diriger le monde. After him, the Greeks will rule over the world. Avec Alexandre le Grand. With Alexander the Great. Je crois que ça vous le savez. I believe you guys know that. Mais après, but after, ce sont les Romains. It's the Romans. Qui dirigent le monde jusqu'aujourd'hui. Ruling over the world until this day. Ils avaient dominé même l'Afrique du Nord. They had dominion over northern Africa. Même l'Europe. Even Europe. J'étais à Montpezat avec ma petite chérie. I was at Montpezat with my honey, my mom. On est allé plusieurs fois à Montpezat en France. Many times in Montpezat in France. Alors, ils m'ont montré des rues de ce village-là. So they showed me the street of that village. Écrit en romain. Written in Roman. Mais les Français ne veulent pas reconnaître ça. But the French don't want to recognize that. Rome a colonisé la France. Roma has colonized France. Heureusement que les Belges parlent de ça avec l'Astérix et tout ça. Ça vous connaissez, yeah. Les Gaulois. Yeah, good thing that the Belgian talks about that. Pourquoi? Asterix. Why? Ils sont en fer. They are iron. Et le fer est fort. And the iron is hard. Mais un jour, but one day, il y a eu division. There's going to be a division. Avec l'argile, ça n'a pas marché. With the clay, it did not mix. Cette Rome-là est morte. That Roma has died. Il dirige plus le monde. Does not rule over the world anymore. Mais Rome dirige le monde sous la forme de la Rome papale. But Rome rules over the world on the shape of the papal. The people Roma. Toutes les guerres dans le monde, si Rome n'est pas là dedans, il y a pas de guerre. All the wars in the world, when Roma is not in there, there's no war. Je vous dis la vérité. Telling the truth. Est-ce que vous le savez? Do you know it? Yes. Ils ont écrasé Israël. They went up on Israel. Ils ont détruit Israël. They destroyed Israel. On était avec vous dans un pays, dans un village de juifs. In a Jewish village. Qui avait fui Jérusalem. They fled Jerusalem. Est-ce que tu peux reconnaître le nom? Can you remember the name? Et qui ont fait une ville sur la montagne. They had a city up on the mountain. On a envoyé un général pour le tuer. They sent a general to kill him. Alors ils se sont entretués eux-mêmes. Then they killed one another. Ils ont dit, la Rome ne va pas dominer sur nous. They said Roma is not going to have dominion. Vous tuez votre femme, vous tuez you kill your wife, you kill your children. Vous tuez vous-même. And you kill yourself. Celui-ci tue. This one kills. Qui connaît ça? Who knows that? Ah, maman fou. Moi j'ai été là-bas. I was there. J'ai pleuré. I cried. Ils se sont entretués. They killed one simplement parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Just because they rejected the Messiah. Ils avaient rejeté la parole de they Dieu. They rejected the word of God. Et Rome and Roma est arrivé à sa fin. Got to its end. Yes, sir. Rome est arrivé à sa fin. Roma got to its end. Parce que la statue, because the statue était forte, was strong. Mais la faiblesse de la statue était les pieds. But the weakness of the statue was in the feet. Et le roi a vu Nabucodonosor. And the king Nebuchadnezzar saw une pierre. Hallelujah.
a stone qui s'est détaché de la montagne. That came out of the mountain. Hallelujah. Et qui est allé frapper la montagne où? That went to strike the statue where? Au pied. At the feet. Vous voulez que je vous dise la pierre c'est quoi? Do you want to tell you who is the stone? C'est le message de Frère Branham. It's the message of Brother Branham. Quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Amen. C'est le Saint-Esprit. That Holy Spirit. Il a pris quelqu'un qui n'a pas étudié. To somebody who didn't go to school. Qui n'a fait que l'école primaire. He just went to elementary school. Et qui lui donne la pierre. He gives him the stone. La pierre c'est la révélation. The stone is the revelation. Amen. Amen. Et cette révélation détruit Rome. And that revelation destroys Rome. Oh là là. Oh, allez dans l'Apocalypse. Go in Revelation. Est-ce que je peux trouver ça facilement? Can I find it easily? Apocalypse 18. Revelation 18. Merci Seigneur. Thank you Lord. Verset 1. First verse. Après, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. And after these things, I saw another angel come down from heaven having great power and the earth was lightened with his glory. Come on now. W-M-B. Catch the vision. Saisissez la vision. William Marion Branham. William Marion Branham. Il cria d'une voix forte. He cried mightily. Elle est tombée. Alléluia. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée combien de fois? Deux fois. Babylone the great is fallen. Is fallen twice. Aujourd'hui, si quelqu'un parle dans l'église catholique, mais est-ce qu'il est normal? Today, somebody going to the Catholic Church, is he in his normal sense? Avec un tel message dans le pays. With such a message in the land. Oh my, preach on now. Qu'il est détruit comme ça. That is destroying them like this. Il est tombé. If il est tombé. Fallen. Babylone la grande. Babylone the great. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de quoi? De démons. It's become the habitation of devils. Elle repère de tout esprit impur. The hold of every false spirit. Elle repère de tout oiseau impur. A cage of every unclean bird. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite. All nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Batikangai. They need to leave me alone. On risque de me tuer. People will kill me. Hallelujah. Amen. Allons même à 4. Let's go even in 4. Parce qu'il y a des choses qui viennent pendant que je parle. There are things coming when I'm preaching. Yes. Et j'ai entendu du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. And I heard another voice coming from heaven saying, come out of her, my people. Sortez de quoi? Come out of what? Mais de l'église catholique. Part of the Catholic Church. Est-ce que ce n'est pas ce que Frère Branham a prêché? Isn't it what I'm preaching? Exactly. Alors je suis devenu un docteur. So I've become a doctor. Yes, sir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. My people. Amen. Amen. Afin de ne pas participer à ce péché. So you want to partake a fornication? Je veux pas qu'ils puissent me tuer. I don't want them to kill me. La magie, c'est là. The magic, will find it in there. C'est là. You gotta find it in there. L'homosexualité, c'est là. The homosexuality, in there. Vous trouvez. That you gotta find it. Sortez du milieu de mon peuple. Elle est tombée. Oh, is that fallen? Babylone la grande. Babylone the great. La bête. The beast. Hallelujah. C'est lui qui domine le monde. He's the one that has dominion over the world. Il domine toutes les nations.
He has dominion over all the nations. Tous les présidents. All the presidents. Tous les rois. All the kings. L'adore. They worship him. Qui? Who? La bête. The beast. Je n'injurie pas. I don't insult. La Bible l'appelle la bête. The Bible calls him the beast. Reculons un peu, Apocalypse 17. Let's go back, Revelation 17. Oh my, wonderful. Vous faites un peu marche arrière? Are you stepping back a little bit? Huit. Eight. La bête que tu as vue était. The best you saw was. Elle n'est plus. Is no more. Elle va monter de l'abîme et s'en aller. À la perdition. Gonna come out of the bottomless beast and go into perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête. Quand elle était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. They that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. When they behold the beast, that was, is not, and yet is. 5. Et sur son front était écrit un nom. Alléluia. Upon him was written a name. Un mystère. Un mystère. Vous pensez que vous allez connaître ça comme ça? You think you're gonna know it like this? Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. God must open your eyes. Il faut que Dieu vous ouvre votre intelligence. God must open your intelligence. Un mystère. A mystery. Quel est le nom du mystère? What's the name of the mystery? Babylon la grande. Babylon the great. La mère des prostituées. The mother of harlots. Et des abominations de la terre. Abomination of the earth. Babylon la grande. Babylon the Great. C'est l'église catholique romaine. Is the Catholic Church the Roman? Et toutes les dénominations qui sont sorties d'elle. All the denominations that came out of sont ses filles. Are daughters. Elles font la même chose. They do the same thing. Yes. Des prédicateurs qui cherchent l'argent. Preachers, they want only the money. Come ils on. Ils vivent avec les femmes. They live with women. Et ils sont aussi homosexuels. They are homosexual. Mais ils sont prédicateurs. They are preachers. Ils sont pentecôtistes. They are Pentecostal. Preach on now. Preach on now. Hallelujah. Hallelujah. Oh, je dis, je n'injurie pas. I say, I do not insult. C'est la Bible qui l'appelle la bête. It is the Bible calling her the beast. Descendons encore, Apocalypse 13. Let's go down again. Revelation 13. Verset 1. Verse 1. Puis je vis monter de la mer une bête. Then I saw coming from the sea a beast. Allons à deux. Let's go to two. La bête que j'ai vue était semblable à qui? À un léopard. The beast which I saw was like unto a leopard. Ses pattes étaient comme un ours. His feet were as the feet of a bear. Et la gueule? Le lion. Comme le lion. And the mouth as a lion. Et le dragon c'est le diable. And the dragon is the lui donne quoi? Sa puissance. Give him what? The power. Vous pensez que vous pouvez vaincre la bête? You think you can overcome the beast? Je viens d'Italie. I'm coming from Italy. J'ai prêché à Rome à deux églises de blancs. Roma in two white people churches. Et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Many gave their life to the Lord. Et j'ai vu un homme quand on était au Vatican. I saw a man when we were at the Vatican. En train de prêcher contre le pape. Preaching against the Pope. Est-ce que quelqu'un le regardait? Did anybody look at him? Il dit la bête. He said the beast. The beast. Les gens passent. The people go. La bête. The beast. Les gens passent. People go. Sont diminués de mon peuple. Les gens passent. Leave, my people. The people go. Ils ont la puissance démoniaque, magique, satanique. They have the devilish power from the Satan. Ils dominent le monde. They have dominion of the world. Ils peuvent pas toucher à vous. But they cannot touch you. Non. 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 Parce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Your name is written in the book of life of the Lamb. Come on now. Yes, sir. Amen. Praise the Lord. Verset 8. Verse 8. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. And all that dwell upon the earth shall worship him. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
Those whose name were not written in the book of life of the Lamb. Pas nous tous. Not all of us. Non, pas moi. Not me. Pas toi. Not you, no. Toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. You, your name is written in the book of life of the Lamb. Tu ne peux pas t'agenouiller devant le pape. You cannot worship the pope. Never. 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 Come on now. C'est un mystère. It's a mystery. Verset 18. Oh my, praise the Lord. Verse 18. 18. 18. C'est ici la sagesse. Here is wisdom. Celui qui a de l'intelligence. Let him that has understanding. Calcule le chiffre de la bête. Count the number of the beast. C'est un nombre d'homme, un chiffre d'homme. It is a number of a man. Ce nombre est 666. His number is 666. Donne-moi. Give me. Est-ce que vous avez de l'intelligence? Do you have intelligence? Est-ce qu'on peut calculer ce nombre? Can we calculate that number? Je suis parti plusieurs fois à Rome. I went many times to Rome. Mais cette fois-ci, ils ont enlevé ça. This time they removed it. J'ai dit, j'ai déjà vu ça. I said, I've already seen it. Ils ont enlevé Vicarius Filii Dei. They removed Vicarius Filii Dei. Remplaçant du Fils de Dieu. Ah, that's the replacement of the Son of God. Come on now. Vicarius. Yes, sir. Filii Dei. On peut calculer? Can we calculate? Go ahead now. V. V. 5. That 5. 1. 1. 100. C is 100. We have another 1. 5. 5. 1. 1. 1. 1. 4. 4 ones. Et ici, 50. 50. C'est simple, non? Simple. Prenons les grands, 150. 150. Les deux ici. These two. Et puis nous prenons. And then we take. 5, 5, 10. 5, 5, 10. Ça fait. That is 160. 160 déjà. Oui, oui. Mon Dieu. Ça va vite, hein? It's going fast, right? Il reste combien? 6, hein? Yeah. Il y a 1, 2, plus. 4. C'est 6, sinon? Oui, oui, 6. Ce chiffre-là, c'est quoi? Il manque L, 500. Ah oui. L. 500. L is 500. Quand nous mettons 500, when we put 500, 666. 666. C'est ça le nombre. This is the number. De qui? Of who? De la bête. Of the beast. Et quand vous arrivez là-bas, when you get there, vous voulez entrer au Vatican, when you get in the Vatican, c'est bien marqué. It's well written. Vicarius. Vicarius. Filii Dei. Dei. Remplaçant. Let's replace. Du Fils de Dieu. The replacement of the Son of God. Est-ce qu'on peut remplacer quelqu'un qui est vivant? Can you replace somebody that is alive? No. On ne peut pas remplacer Dieu. God cannot be replaced. Dieu est vivant. God is alive. Le Fils de Dieu. The Son of God. C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Il est vivant. He is alive. Yes, he is. Il était revenu à la vie. Came back to life. Il est monté au ciel. Went up in heaven. Il vit dans nos cœurs. He lives in our heart. Personne ne peut le remplacer. No one can replace him. No one. Jamais. No one. Ah. Mon Dieu. On peut continuer. Can we continue? Yes. Quand nous allons dans Matthieu 24. When we go in Matthew 24. Oh là là. Juste. Quand ils ont tué Jésus. Just when they killed Jesus.
Les âges ont commencé. The ages started. Parce que Dieu maintenant se retourne vers les nations. Because now God turns to the nations. Et Dieu cherche. And God is seeking. Qui peut écouter sa voix? Who can hear his voice? Et il envoie. And he sends. Paul. Prêche l'évangile. C'était lui le preach premier. Preach the gospel. He was the first. Et puis il a envoyé Irénée. Then he sent Irénée. Prêche l'évangile. Preach the gospel. Ainsi de suite. And so on. Et l'église catholique. And the Catholic Church. A commencé à dominer. Start having dominion. Sur la religion chrétienne. Upon the Christian religion. Pendant 9 siècles. For 9 centuries. Amen. Amen. Je vois que vous me suivez très bien. Believe you wish me so. Yes. L'Église catholique est devenue une dénomination. The Catholic Church became a denomination. Il a commencé par le Nicolaïsme. It started by the Nicolaïsme. Placer les prêtres dessus les gens. They put the priest on the top of people. Vous ne pouvez pas lire la Bible. You cannot read the Bible. Ce sont eux qui doivent lire. They have to read it. Parce for que you. vous deviendrez fou. Because you will get insane. Je lis ça tous les jours. Je suis pas encore devenu fou. I read it every day. I am not insane yet. J'ai 41 ans de ministère. 41 years in the ministry. Je suis pas encore devenu fou. I am not crazy yet. Vous ne serez pas fou si vous lisez la Bible. You won't be crazy if you read the Bible. Au contraire, ça va ouvrir votre intelligence. But it's going to open your intelligence. C'est le Nicolaïsme. It's the Nicolaism. C'est quoi? What is it? Dominer sur les laïcs. To have dominion over the laity. Et c'est cela que les églises ont fait aujourd'hui. That's what the churches do today. Ils ont suivi leur mère. They follow their mother. Le pasteur, the pastor, quand il passe, when he goes, tout le monde tremble. Everybody trembles. Il salue pas les gens. Doesn't greet il people. Il vit pas avec les gens. Doesn't live with people. Il sait quoi plus grand, plus saint que tout le monde. More holy c'est le Nicolaïsme. That Nicolaïsme. Il y a un seul qui est grand. Only one that is great among us. C'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Un seul qui est saint au milieu de nous. Only one is holy among us. C'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Nous devons nous aimer. We have to love one quand vous êtes devant le pasteur, in front of the pastor, vous devez être à l'aise. You need to be comfortable. Yes. Quand le pasteur passe, tout le monde. When the pastor goes, everybody trembles. Non. No. C'est diabolique. It's devilish. Ça c'est bien pour les politiciens. Good for the politicians. Pour dominer sur les gens. You have dominion upon people. Nous ne voulons pas dominer. We don't want to have dominion. Nous pasteurs. As pastors. Nous sommes des bergers. We are the shepherds. Nous devons prendre les brebis. We need to take the sheep. Hey, que les brebis connaissent quand même mon odeur. For the sheep to know my odor. Je dois vivre avec les brebis. I need to live with the sheep. Yes. On le met là, ailleurs. They put him somewhere else. Vous pouvez pas arriver là-bas. Cannot get where he is. Bon témoin. Good morning, child. Good morning, priest. May the Lord be with you. Vous ne savez pas ce qu'il fait en secret. You don't know what he does secretly. Amen. Praise the Lord. Amen. Laissez-moi parler. Let me talk. Amen. Amen. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? I believe it's clear, isn't it? Même les dénominations, c'est difficile qu'ils sortent de Nicolaïsme. Even the denomination, it's difficult for them to leave the Nicolaïsme. Ils veulent dominer les gens. They want to have dominion. Ils font les choses. They do things. Et ils veulent cacher. They want to hide it. Quand tu entres en secret chez cette femme-là, secretly to that woman, ils finiront par connaître. They will end up knowing it. Ils finiront par connaître. Rien ne sera caché à lui. Nothing is going to be hidden. Le sage Salomon. Sur la terre ici. Here on the earth. Ne parle pas. Hein? Don't tell anybody. Tu sais, je suis loin de Dieu. Hein? You know, I am anointed by loin God. De Dieu. Anointed by God. Loin de Dieu qui va avec les filles. Anointed by God that goes with prostitute women. Frère, brothers, un berger, a shepherd, doit être l'exemple du troupeau. Must be the role model of the flock. C'est clair. Is it clear? Ça sera toujours la lumière qui va descendre. That will always va be the diminuer. Light that is going to decrease. Jusqu'au dernier âge. To the last age. C'est l'âge de Laodicée. The age of Laodicea. Dans lequel nous vivons. In which we're living in. Il n'y a plus de lumière. No more light.
Ils ont des Bibles. And they have Bibles. Mais vivent comme le monde. But they live like the world. Ils ont la parole de Dieu. They have the word of God. Ils ont rien de Dieu en eux. They don't have anything of God inside them. Tout le monde est bobundikak. When it has to provoke him, you're gonna fight. You. Tu me connais? You know me. Mais il dit qu'il prie. And he says, you know, I pray. Mais il est exactement comme le monde. But he's exactly like the world. Et ils ne veulent pas de la parole révélée. They don't want the revealed word. Ils ont mis Jésus dehors. They put Jesus outside. Vous parlez du message de Frère Branham? Talk about the message of Paul Branham. No. Ces gens-là. Those people. Ces gens-là. Those people. Ces gens-là. Those people. Ils ont rejeté Jérémie. They rejected Jeremiah. Ils avaient rejeté Daniel. They did reject Daniel. Ils avaient rejeté Jésus. They rejected Jesus. Ils avaient crucifié. They crucified Pierre. Peter. Est-ce que vous le savez? You know, yes. Ils avaient décapité Esaïe. They beheaded Isaiah. Ils avaient rejeté Jean. They rejected John. Il était dans l'île de Patmos. He was in the island of Patmos. Ils avaient tué They killed. Étienne. They killed Stephen. Et aujourd'hui, today, vous voulez parler de Jésus? Not today, but Jesus. No. You. Nous avons notre église. We have our church. C'est bien. That's good. Mais Dieu envoie toujours des gens. But God always sends people. Et Dieu dit, God says, celui qui a des oreilles, the one who has ears, pour entendre, that can hear, entendre ce que l'Esprit dit, let him hear, aux églises. What the Spirit tells Dieu parle à toutes les églises. Speak to all the churches. Vous dites amen. You say amen. I do. Là vous me provoquez. There you provoke me. Yes sir. Go ahead now. Amen. Amen. Je voudrais pénétrer vraiment ça. I want to penetrate into it. Yes. Quand nous arriverons à la fin. When we will get at the end. Qu'est-ce qui va arriver? What is going to happen? Nous avons déjà les guerres. We have the wars. Les bruits des guerres. The noises of war. Nous avons des maladies. We have the sicknesses. Nous avons des famines. We have famines. Et ici, il est dit aussi dans Matthieu 24, here, in Matthew 24, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. The good news of the world is going to be preached all Je over the world. Je crois que c'est le verset 15. I think it's verse 15. Alors viendra la fin. Then the end will come. La bonne nouvelle. The good tidings. C'est le message que Dieu a envoyé is dans the message that God sent in this age. Ça doit être prêché dans le monde entier. Must be preached all over the world. Selon Jésus. According to Jesus. Dans Matthieu 24. In Matthew 24. Mais il faut que quelqu'un crie. Pendant la nuit, but somebody must shout during the night. Voici l'époux. Behold the groom. L'époux vient. The groom is coming. Allez à sa rencontre. Go ye to meet with him. C'est 14. 14. Matthieu 24, 14. Matthew 24, 14. Oui, tout ce que vous voyez là, il dit, c'est pas encore la fin. Tremblement de terre, c'est pas encore la fin. La guerre, c'est pas encore la fin. War is not the end yet. Mais, but, quand vous commencez à entendre la bonne nouvelle, when you start hearing the good tidings, c'est la fin. It's the end. 14. 14. Cette bonne nouvelle du royaume. This gospel of the kingdom. Vous savez, il y a toujours ici, nous avons toujours des mauvaises nouvelles. Here we always have bad news. Quoi encore? What else? Oh, un enfant de l'école primaire a tué le professeur. Killed the professors. Ses collègues. His colleagues in school. Quoi encore? Non, un ancien soldat. No, an old soldier. A tiré sur les gens à Washington. A shot on people in Washington. Mais quoi encore? What else? Non. No. Vous ne savez pas. But you know, on a tué. They killed un sénateur là-bas. A senator there. Ou député. Or, je parle des États-Unis. The United States. Yes. Allez en Europe. Go to Europe. Trop de mauvaises nouvelles. Too many bad news. Mais vers la fin. But at the end. Ce que vous écoutez maintenant. What you hear now. C'est une bonne nouvelle. It is a good news. Yes, it is. Jésus revient. Jesus is coming back. Nous vivons éternellement. We're gonna live eternally. Dans une ville pavée d'or. In a leaf paved with gold. C'est une bonne nouvelle. That's a good news. Yes. N'est-ce pas? Is it? Yes. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. The good news of the kingdom shall be preached in all Pour the world. Pour servir de quoi? De témoignage. To be a witness. À toutes les nations. Unto all the nations. Moi, j'ai prêché ça jusqu'aux pygmées. I preach it to the pygmies. Dans la forêt. In the forest. Ils n'ont même pas de maison. They don't have houses. Je suis allé les voir. I went to see them. Il y a à peu près 2 ans. About 2 years ago. Je venais de. Coming back from. Martinique. From Martinique. Je suis allé directement. I went straight. Chez les pygmies. To the pygmies. Oh, ils voulaient me toucher. They wanted to touch me.
Et les aveugles ont vu. And the blind recovered les boiteux ont marché. The lame walked. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. The good news of the word is going to be preached all over the world. Pour servir de témoignage. To serve as a witness. Alors seulement. Only viendra la fin. Shall the end come? Et de Matthieu 27, 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria. Matthew 27, 6, they say, in the middle of the night, they shouted. Quelqu'un a crié au milieu de la nuit. Somebody shouted during the night. Voici l'époux. Behold the bride. Allez à sa rencontre. Go in to meet with him. Jésus m'a dit. Jesus told me. Dis-leur. Tell them. Je vais venir bientôt. I'm coming back soon. I believe. Le message de Frère Branham. The message of Brother Branham. Frère Branham, Dieu lui a dit. Branham, God told him, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste. As I said, John the Baptist. Pour préparer ma première venue. To prepare my first coming. Je t'envoie. I'm sending avec you. Avec un message. With a message. Qui préparera ma seconde venue. To prepare my second coming. Un âge mauvais comme cet âge de Laodicée. An evil age like this age of Laodicea. On n'a pas encore eu un âge comme ça. We never had an age like this before. Et après ça, on n'en aura pas. After that, we won't have it. L'âge de la pornographie. The age of the porn. Comment échapper à ça? How to escape that? Si on n'a pas le Saint-Esprit. If you don't have the Holy Spirit. Preach on. L'âge de la magie. The age of the magic. De la sorcellerie. The witchcraft. De la prostitution. Prostitution. C'est l'âge le plus mauvais. That's the worst age. L'âge de l'homosexualité. The homosexuality. Dieu devait envoyer une parole. God wants to send the word. Pour nous donner le Saint-Esprit. To give us the Holy Spirit. Afin que nous soyons au-dessus de cela. So we can be above these things. Nous sommes au-dessus de cela. We are above these things. Nous sommes plus forts que la pornographie. We're stronger than the pornography. Plus forts que l'homosexualité. Stronger than the homosexuality. Pourquoi? Why? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Why? Because we have the Holy Spirit. Alléluia. Alléluia. Les vierges folles ne croiront pas à ça. But the foolish virgin won't believe in that. Comme Jean-Baptiste avait préparé la première venue. The first coming. Il fallait un autre Jean-Baptiste à la fin. Took another John the Baptist. C'est William Branham. It's William Branham. Qui prépare la seconde venue. That is preparing the second coming. Quelqu'un peut dire amen à ça. Can I hear amen? Amen. Oh my. Amen. Amen. Wonderful, wonderful. Et le verset 22 dit, verse 22 says, si ce jour n'était pas abrégé, if those days were not cut off, personne ne serait sauvé. No one would be saved. Tellement les jours sont mauvais. Since the days are so evil. Quand son dernier enfant entrera, Dieu va abréger le match. When the last day child is going to step in, God is going to cut off the Le diable sera fâché, il dira non, ce n'est pas encore 90 minutes. The devil is going to be mad, it's not 90 minutes yet. Mais Dieu dira, but God will say, c'est moi l'arbitre. I am the referee. J'abrège le match. I'm cutting off the match. Praise the Lord, praise the Lord. Sœurs, hallelujah, my brothers and sisters. Dieu doit my vous congratuler. Master, congratulate you. Vous êtes dans un âge le plus mauvais. You are in the worst age. Un âge de ténèbres. Oh, the age of the darkness. Si ce jour n'était pas abrégé, if those days are not cut off, personne ne serait sauvé. No one would be saved. Mais à cause des élus. But because of the elected. À cause des élus. Because of the elected. C'est écrit comme ça chez vous aussi. Is it written like that in your Bible? Donc élu signifie quelqu'un que Dieu a aimé avant lui-même qu'il le sache. The elected is somebody that God loved before he knows it. C'est écrit comme ça chez vous. Is it written like that? Yes, it is. C'est le verset 22 de Matthieu 24. Verse 22 of Matthew 24. Si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. If those days should not be shortened, there should be no one to be saved. Mais à cause des élus. But for the elect sake. Ces jours seront abrégés. Those days will be shortened. Soyez tranquille. Be at peace. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Prend la chose à main. He's taking care of the thing. Il veille sur ses élus. Hallelujah, he's watching over his elected. Hallelujah, preach on now. Preach on now. Amen. Hallelujah. Alors quand le dernier entrera, when the last one will step in, quand le dernier entrera, when the last one will step in, Jésus, Jesus, reviendra, will come back. Il se tiendra dans les airs. He's going to be in the air. Quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Amen. Amen. Et
Et nous irons à sa rencontre dans les airs. And we shall go to meet him in the air. De deux personnes qui seront sur un lit. Two people on a bed. Une sera prise. One will be taken. Et l'autre restera. The other one will stay. Nous ne connaissons pas le jour. We don't know the day. Nous devons être prêts. We must be ready. Les signes sont donnés. The signs are given. Donc si vous manquez l'enlèvement, c'est votre propre faute. So if you miss the rapture, it's your own fault. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Yes. Nous irons au festin de noces. We shall go at the marriage party. Est-ce que la Bible dit? Does the Bible say? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Happy those who are called for the wedding party. Amen. Amen. C'est l'Apocalypse, c'est combien là? Which revelation? 19, hein? 19, oui, oui. Réjouissons-nous. Let's rejoice. C'est le verset 7. Verse 7. Soyons dans l'allégresse. Be in the joy. Donnons-lui gloire. Let's give him glory. Car les noces de l'agneau sont venues. For the marriage of the lamb is come. Et son épouse s'est préparée. And his wife has made herself ready. L'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. The angel said, write. Blessed are they which are called unto the marriage supper. Le verset 9. Verse 9. Si vous n'êtes pas appelé. If you are not called. Moi, j'ai été appelé une fois. I was called once. Quand le président Kabila a fait une année. Kabila was 1 year. Il y a plus de 9 ans. More than 9 years ago. J'ai reçu l'invitation. I received the invitation. Alors, je partais avec Lutuku. I was going with Lutuku. Il y a plus que 9 ans. About 9 years ago. Vous savez comment on a écarté Lutuku? You know, Lutuku was put away. Parce qu'ils savent qui ils appellent. So you know who they call. J'arrive comme ça. I get there. Je commence à chercher mon secrétaire particulier. Non, il n'est plus là. He's not there anymore. On l'a écarté. He was put away. Heureux ceux qui ont reçu l'invitation. Bless those who have received the invitation. L'invitation, c'est ce message. The invitation is this message. C'est le cri de minuit. That's the shout of midnight. C'est ça l'invitation. This is the invitation. Vous allez entrer sans invitation? You're gonna get it with no invitation. On m'a placé à côté du président. They put me close to the president. Et j'étais avec des généraux. I was with the generals. Il passait Baruti, toi tu es ici. Pastor Baruti, you are here. I sit down. Je regarde ici. I look there. À 1.5 mètre le président. 1 meter and I have the president. Toi tu n'as pas d'invitation. You don't have the invitation. Tu vas entrer. Are you gonna get it? Hacha les manières nomba. Forget it now. Tu n'entreras pas. You won't get it. Toi, tu as été connu par Dieu. You are not by God. Sois fier. Be proud. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, sois fier. You have received the Holy Spirit. Be proud. Maman Andere. Maman la Marie, Bonnie. The mother of Mary. Maman Andere, okay. Maman Andere is gone. De deux personnes qui mourront à la mer. Two people are gonna be. Une sera prise. One is gonna be et l'autre laissée. The other one is gonna be left. Je ne prendrai pas tout le monde. God will take everybody. Il prendra ceux qui s'étaient préparés. He's gonna take those who made themselves ready. Et nous irons à la fête des noces. And we shall go at the wedding party. Pendant 3 ans et demi. For 3 years and a half. You know it. Asseyez-vous. Sit down. Est-ce que vous avez vu une fête de mariage de 3 ans et demi? Have you seen a wedding party for 3 years and a half? En tout cas, moi, j'ai 66 ans. I am 66 years je old. Je n'ai pas encore vu une fête d'un mois, le mariage, 1 mois. I've never seen a party of marriage 1 month. Tous les jours, vous partez là, vous every mangez. Day, you go there, you eat. Même les princes. Even the princes. Peut-être une semaine ou maybe deux. Maybe 1 week or two. Mais 1 mois, 1 month, 2 mois, 2 months, une année, 1 year, 3 ans, 3 years, 6 mois encore, 6 de, more, de matabiche. Ça add on the top. Et vous voyez les anges qui vous servent. You see the angels serving. Alléluia! Yes! L'ange vient. The angel is coming. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger? He said, what do you want to eat? Jésus a dit, je ne boirai plus de ce vin. Jusqu'au jour où j'en boirai. Until this day I'm gonna avec drink vous. With you. Alléluia. Dans la demeure de mon père. Oh, and my father's abiding. Je vais vous raconter mon histoire de my story, oh. De Matadi.
Asseyez-vous. J'étais jeune. I was young. Et je suis parti à Matadi. And I went to Matadi. Ah. Je ne buvais pas. I wasn't drinking. Parce que mon père était soulard. My father was a drunker. Et il tapait mon père, ma mère. My mother. Alors je n'aimais pas la boisson. I didn't like the beverage. Mais je suis entré dans le bateau. I went in the boat. J'avais les environs de 12, 15 ans, je crois. 15 years old. Ah, moi de Kinshasa. Coming from Kinshasa. J'entre. I get in there. Au bateau. In the boat. Le grand bateau là de Belges. Big boat of Belgians. Et je vois. And I see. Un blanc. A white man. Je crois que vous connaissez ça, frère Étienne. You know, brother. Vous avez été à Matadi. You've been in. Un blanc, a white man, avec des galons, with habillé en blanc, with rags. He was dressed in white. Je posais la question. C'est quoi? Ask the question. What is this? Parce qu'on partait pour acheter des histoires. We're going to buy stuff. Non, il sert les gens. No, he's serving. Bah, mon dieu, le papa s'est mis au passé. À quoi sert les galons? These white people. He's gonna serve me today. Je me suis assis. I sat down. Je dis la boisson. Il me dit comment? C'est alcool. Il dit un demi. J'ai dit, oui, un demi. Yes, half. Un demi, c'est demi verre. On vient avec le verre complet. Half of a glass. They bring you complete. Je vois le blanc qui me suit. I see what. J'étais content. I was happy. Je n'ai pas encore bu ça. J'ai dit it, I said, un demi. A half. Le blanc vient quoi avec le plateau. With the plate. Oh, mais le blanc regarde, je dois terminer. I'm not that yet. J'appelle encore. I call again. Un demi. Half. Et ça coûtait rien. And it was like nothing. Le blanc vient avec le plateau. It comes with the plate. Frère, brother, ça sera des anges. It's gonna be angels. Les anges vont vous servir. The angels will serve you. Yes. Manquez ça, balokayo. If you miss it, somebody has bewitched you. Veuillez vous asseoir. Sit down, please. Oh, Jésus, quel bonheur. Je me sens bien. Je me sens bien. I'm feeling well, me too. Pendant que nous sommes à la fête là-bas, 3 ans et demi. Je crois que vous me suivez très bien. While you're at the party, 3 years and a half. I guess you're following me well. Ici sur la terre. Dieu ne traite plus avec les nations. God does not deal with the nation anymore. C'est ce qui est écrit dans la Bible. That's what is written in the Bible. Et celui qui veut se souiller, let the one who wants to defile himself, se souille encore. Let him defile himself more. Pourquoi? Why? Dieu a retiré le sang du trône. God has withdrawn the blood from the throne. La grâce est finie. The grace is over. Mais les gens continueront à prier. People will continue to pray. Dieu ne les écoutera plus. But God is not going to listen to them. L'épouse ne passera pas par la grande tribulation. The bride will not go through the great tribulation. Dieu va lâcher la tribulation. God will let the tribulation come. Il va lâcher les difficultés. He's going to let the difficulties come. Sur cette terre ici. On this earth. Et nous sommes au ciel. And we are in heaven. Au paradis. In heaven. Céleste. The celestial. En train de fêter. Partying. De manger. Eating. Avec Jésus Christ. With Jesus Christ. Avec les anges. With the angels. Ici sur la terre. Here on the earth. Ils sont en train de souffrir. They are suffering. Quand Dieu lui-même dit grande tribulation, c'est sérieux. God himself calls it a great tribulation. It's serious. C'est sérieux. It's serious. N'entrez pas là-dedans. Don't get in there. Toutes ces petites femmes qui dansent. All these little women dancing here. Sors de ces histoires-là. Get out of it. Fuis le mensonge. Flee the lies. Fuis les femmes comme si vous fuyez le sida. Flee the women like you flee away from AIDS. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Can you understand me? Hey, I can. Yes, sir. Et Dieu va commencer cette tribulation avec qui? God will start that tribulation with who? Avec les deux oies. With the two anointed ones. Les deux oies vont descendre. The two anointed ones will come down. Les deux prophètes vont descendre à Israël. The two prophets will go down to Israel. Élie, Elijah, et and Moïse. Moses. Apocalypse chapitre 11. Revelation chapter 11. Vous avez vos cahiers, non? You have your book, don't you? Yes. Écrivez ça. Write it down. Je vais bientôt terminer, mes frères. I'm about to finish, my brother. Merci de m'avoir vraiment donné votre temps. Thank you for giving me your time. Verset 3. Verse 3.
J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser. Revêtu de sac pendant 1260 jours. I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1260 days clothed in sackcloth. Ça fait 3 ans et demi. This is 3 years and a half. Le mois de 30 jours. Month of 30 days. Vous pouvez diviser ça par 30, vous get verrez. Divided by 30 and you'll see. C'est 3 ans et demi. That's 3 years and a half. Donc, la dernière semaine. The last week. Que Dieu a donné aux Juifs. That God gave to the Jews. Ça ne sera pas Jésus qui reviendra. Won't be Jesus coming. Non. No. Ça sera le deux témoins. Will be the two witnesses. Vous voulez savoir c'est qui? Want to know who they are? Moïse et Élie. Moses and Elijah. Ils auront la puissance de faire souffrir la terre. Je they're gonna dis. Have the power to make suffer the earth. I'm telling you. Et ils vont appeler les 144,000 Juifs. They're gonna call the 144,000 Jews. On peut lire ça? Can we read it? Yes. Il dit ceci au verset 5. This is what it says, verse 5. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. If any man will hurt them, fire proceed out of their mouth and devour their enemies. Qui a cette puissance là? Who has got that power? Qui avait ça? Where, who did have that power? Elijah. Deux fois les soldats sont venus pour l'arrêter. Twice the soldiers came to arrest him. Il a appelé le feu et le feu a brûlé ses soldats. The fire burned the soldiers. Un prophète a une capacité que Dieu lui accorde toute sa vie. One prophet has the capacity that God grants him all his life. Amen. My, amen. On peut continuer. Can we continue? Si quelqu'un veut les nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière-là. If any man will hurt them, he must in this manner be killed. 6. 6. Apocalypse 11:6. Revelation 11:6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant le jour de leur prophétie. They have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy. Qui avait cette puissance là? Who did have that power? Élie. Elijah. Il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. He shut heaven for 3 years and a half. Et ici, ils vont fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Yes, they're going to shut the heaven for 3 years and a half. Ça fera quoi? What is it going to do? La grande tribulation. The great tribulation. La souffrance. Suffering. Les gens vont souffrir people sans eau. Suffer with no water. Je peux avancer? Can I advance? Yes. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est qui? Qui avait le pouvoir de changer les eaux en sang? Moïse. Have powers of waters to turn them to blood. That was Moses. Amen. Amen. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le veulent. And to smite the earth with all plagues as often as they will. Je veux que la pluie tombe sous forme de feu. I want the rain to come down as a que fire. Le feu tombe sous forme de pluie. The fire comes as a fire. Je veux que tous les premiers nés meurent. Qui a fait ça? Western. Moses. Donc, ces gens-là, those people, c'est Élie et Moïse. Elijah and Moses. Ce sont eux qui vont commencer la grande tribulation. They will start the great tribulation. Pour appeler qui? To call who? Benjamin. Benjamin. Vous connaissez l'histoire, you know, the story, yes, de Joseph. Of Joseph, yes. Quand il s'est révélé à ses proches, when he revealed to à ses frères, to his relatives, il a pleuré. He cried. Il a dit, où est Benjamin? He said, where is Benjamin? Quand, à travers les deux prophètes, where through the two prophets, Moïse, Moses, et Élie, and Elijah, Dieu va se révéler, God will reveal himself, au peuple d'Israël, to the Jewish people. C'est pour appeler les 144,000. It is to call the 144,000. Amen. Amen. Nous les appelons dans la prophétie les Benjamins.
in the prophecy of Benjamin. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Yes. Oh non. Oh no. Ce sont les. They are. Non 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 non. No 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 no. No. Reculons un peu dans Apocalypse 7. Go back in Revelation 7. Verset 4. Verse 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués de sceaux, 144,000 de toutes les tribus des fils d'Israël. And I heard number of them which were sealed, and they were sealed, and 144,000 of the tribes of the children of Israel. Est-ce qu'on parle de la tribu de Bakongo là-bas? As I told you about the tribe of the Bakongo in there, ou de Baluba, or the Baluba, de Bandundu, ou de l'Équateur, or from Equator, no. Les 144,000 de la tribu des tribus de qui? Les fils d'Israël. 144,000 of the tribe of Israel. 12,000. 12,000. Pour Judas. For Judah. Marqué dessous. Mark underneath. La tribu de Ruben combien? 12,000. Tribe of Reuben 12,000. La tribu de Gad. 12,000. Tribe of Gad 12,000. Est-ce qu'on dit qu'ils sont les témoins de Jéhovah? Avec ces de Jéhovah Witnesses. Ah non. No. Ah, je me suis trompé. I guess I was wrong. La tribu de Aser. The tribe of Aser. 12,000. 12,000. La tribu de Nephtali. Tribe of Nephtali. 12,000. 12,000. La tribu de Manasseh. Tribe of Manasseh. 12,000. 12,000. La tribu de Simeon. Tribe of Simeon. 12,000. 12,000. La tribu de Judas, de Lévi, de tout ça. Levi. Issachar, 12,000. Issachar, 12,000. De Zabulon, 12,000. 12,000. La tribu de Joseph, 12,000. 12,000. La tribu de Benjamin, 12,000. And Benjamin, 12,000. 144,000. 144,000. Ce ne sont pas les gens des nations. They are not the Gentiles. Ce sont les enfants de Jacob. They are the children of Jacob. On les appelle les enfants d'Israël. They are called the children of Israel. Les Juifs. The Jews. Oh, le moins. C'est une fausse doctrine. Oh, the anointed ones, that's a false doctrine. Et nous, où est-ce que nous sommes? And us, where are we at? Nous sommes au ciel. In heaven. Et quand ils seront tellement embêtés, ils vont tuer les deux oies. They will slay the two anointed ones. Ça, c'est Apocalypse 11, c'est un devoir, vous lirez à la maison. Revelation 11, you're going to read it at home, it's a homework. Ils vont le mettre sur la montagne là où on avait tué Jésus. Them up on the mountain where they killed Jesus. Et après trois jours, and after three days, ils vont ressusciter. They will rise. Parce qu'une voix va les appeler. Because the voice is going to call them. Monte ici. Come on here. Et les deux oies and the two anointed ones seront ressuscités. Will be resurrected devant tout le monde. In front of everybody. Et ils vont monter. They're going to go up. Apocalypse 11. Revelation 11. Devoir à la maison. Homework at home. Il faut que vous puissiez lire la Bible. You need to read the Bible. Yes. Acclamez le Seigneur Jésus. Put your hands together for the Lord Jesus. Ce n'est pas encore terminé. It is not over yet. Il monte au ciel. Say go to heaven. Quand il monte au ciel, say go to heaven. Nous sommes au ciel. We are in heaven. Vous me suivez très bien? Are you listening? Yes. Ici sur la terre. Here on the earth. Le message continue. The message continues. À travers les brochures. Through the brochures. À travers les bandes. Through the tapes. Des deux oies. Or the two anointed ones. Jusqu'à atteindre 3 ans et demi. Until they get to 3 years and a half. Et au ciel. And in heaven. Et les voix crient. The voices shout. Jusqu'à quand, Seigneur? Until when, Lord? Jusqu'à quand, Seigneur? Until when, Lord? Nous aussi, nous sommes les Juifs. As to we are Jews. Je crois que ça vous connaissez. I think you know it. Yes. Tous les Juifs. All the Jews. Depuis 2000 ans. From 2000 years. N'étaient pas montés. Didn't go up. Ils étaient comme dans un cachot. So like in a chain. Mais au paradis. But in heaven. Et on va leur donner des robes. And then give them robes. On va leur donner la permission. They're gonna give them their, de rejoindre les 144,000. To join the 144,000. Jusqu'à la résurrection. Until the resurrection. Et ici sur la terre. Here on the earth. Je parle d'une résurrection cachée. Talking about the hidden resurrection. Bon, la Bible n'en parle pas. The Bible doesn't talk really. Ici sur la terre. Here on the earth. La guerre d'Armageddon. The war of Armageddon. Vous savez que c'est presque déjà arrivé? You know that we are almost in there. Vous savez que c'est Dieu qui nous protège? You know it's God protecting us? Yes. La guerre d'Armageddon. Moi, j'étais en Israël. Armageddon war. I was in Israel. On nous a amenés à Megiddo. They brought us to Megiddo. C'est à Jérusalem. It's in Jerusalem. On nous a dit la guerre se fera
ici. They thought that the war is going to happen here. Donc les Juifs croient ce que la Bible dit. So the Jews believe in what God, the Bible ils says. Ils savent qu'il y aura une guerre d'Armageddon. They know there's going to be a war of Armageddon. C'est quoi? What is it? Le monde entier. The entire world. Les pays arabes. The Arab countries. Le roi du Nord. King of North. La Russie. The Russia. La Chine. China. Ils vont combattre. They will fight. Israël. Israel. Frère, ne restez pas. Don't you stay, brother. Vous n'avez pas encore vu la souffrance. You haven't seen the suffering. Ça sera la souffrance. That will be the suffering. Ça a déjà commencé. It was about to start. Iran avait dit. Aaron said, je veux faire disparaître Israël de la carte. Qui connaît ça? Levez la main. Israel to be disappear from the map. Who knows that? Et Iran ne faisait que répéter. Il est venu même le dire. Aaron was ici. Just repeating. He even came to see it here. À Washington. In Washington. À la tribune de l'ONU. At the UNO. À New York. Hein? In New York. Mais. But. Un deuxième problème est sorti. A second issue came up. Bachar al-Assad. Bachar al-Assad. Il vient de tuer plus de 150 000 Syriens. Just to kill more than 150,000. Même aujourd'hui. Syrians, even today. Il est en train de les tuer. He's killing them. Et l'Amérique a dit, c'est trop. America said, it's too much. Il y a même des bombes qui étaient tombées sur Israël, là où on even était. Bombs fell on Israel, there where we were. Comment on appelle ça encore? Israël a envoyé les avions pour rétorquer. Israel sent pour bombarder la Syrie. To bomb Syria. Le plateau de Golan. Vous pensez Lake que ce n'est pas Golan. Déjà la guerre? Do you think it's not the war already? La Syrie qui est en guerre. The Syria that is in war. Vous venez les bombarder. Come to bomb them. C'est Dieu qui met la main comme ça. It is God putting the hand like this. Il faut que l'épouse parte dans l'enlèvement. The bride must go in the rapture. C'est la vérité. Qu'est-ce qui manque à la Syrie pour attaquer Israël? The Syria doesn't have anything missing to attack Israel. La main de Dieu. Hand of God. Baruch est encore là. Baruch is still there. L'assemblée chrétienne de Charlotte est encore là. L'assemblée de Charlotte est still there. L'épouse est encore là. The bride is still there. Si vous voyez la guerre d'Armageddon commencer, vous n'êtes pas parti, vous êtes resté. L'enlèvement a déjà eu lieu. If you see the war from Armageddon starting, you're not gone. You stay. The rapture already happened. Asseyez-vous. Sit down. Obama dit jusqu'à ce que ils enverront les bombes chimiques, alors États-Unis va intervenir. Obama said until they're going to send the chemical bomb, then the United States is going to intervene. Mais ils ont envoyé les bombes chimiques. But they sent the chemical bombs. Les enfants mouraient dans leur maison. Children were dying in their houses. En respirant, les femmes mouraient. Breathing, the women toute were une ville était dying. En train de mourir. The entire city was dying. Obama dit non. Obama said no. L'Amérique doit intervenir. America must intervene. La main de Dieu était là. Hand of God was there. Même la Russie a dit bon, écoutez. Even Russia said, vous exagérez aussi. You exaggerate. On doit démanteler. We need to dismantle. Obama dit si. Obama said, if vous ne démantelez pas. Don't dismantle. Ces bombes chimiques, moi j'attaque. This chemical la bomb, Syrie. I attack Syria. Quand l'Amérique attaque la Syrie. When America attacks Syria. C'est quoi? What is it? Les Russes. The Russians. Les Chinois. The Chinese. Mais ils vont entrer dans cette guerre. They will get into that war. C'est la troisième guerre mondiale. That's the third world war. Bachar Assad accepte qu'on puisse démanteler les bombes. Bachar Assad accept for the bombs to be dismantled. Aujourd'hui nous parlons ici, on est en train de démanteler les bombes. They're dismantling the bombs. C'est à cause de vous. Because of you. La main de Dieu. God's hand ne veut pas de cette guerre. Doesn't want that war avant l'enlèvement. Before the rapture. Frère, brothers, ça sera terrible. It's going to be terrible. Avec toutes les bombes que la Russie a. All the bombs that Russia has. Frère Branham a vu la septième vision. Branham saw the seventh vision. Il a vu l'Amérique dans cette guerre-là. He saw the America in that war. Réduit en cendres. That was in ashes. Il a vu les cendres partout aux États-Unis. He saw ashes all over the United States. C'est ainsi dit le Seigneur. It is that saith the Lord. Mes frères, my brother, ça arrivera. It's going to happen. Yes. Mais nous ne serons pas là. We won't be there. Jamais. Parce que l'Amérique ne peut pas.
Laissez Israël. But America cannot leave Israel. Il va intervenir. He's going to intervene. Mais la Russie sera plus forte que l'Amérique. But Russia is going to be stronger than America. Aidée par la Chine. Helped by China. C'est la troisième guerre mondiale. That's the third world war. Alors. Then, quand la force du peuple saint sera finie. When the force of the holy people is going to be finished. Dieu attend que tu ne puisses plus avoir la force. God is waiting for you to not have any more. Pour que toute la gloire lui revienne. So all the glory can come back to him. Alors. Then, il descendra du ciel. Come down from heaven. Qui? Who? Le roi des rois. The king of kings. Qui? Who? La parole de Dieu. The word of God. Sur un cheval blanc. Upon a white horse. Son nom est la parole de Dieu. His name is the word of God. Son nom est le roi des rois. His name is the king of kings. Son nom est Jésus Christ. His name is Jesus Christ. Il descendra. He's going to come down. La Bible dit, Bible says, sa présence, his presence, arrêtera la guerre. Will stop the war. Oh my. Si Jésus se présente ici. If Jesus presents himself here. Quand tu viens avec Kalachnikov. You come with Kalachnikov. Mais ça ne peut pas toucher Jésus. That cannot touch Jesus. Sa présence seulement arrêtera la guerre. Only his presence will cease the war. Il descendra avec les anges. Come down with the angels. Il descendra avec son épouse. He'll come down with his bride. Nous aussi. As it were. Vous aussi. Alléluia. Vous serez sur des chevaux blancs. You're gonna be on white horses. Vous descendrez avec lui. Get down with him. Alléluia. Pour arrêter cette guerre là. To stop that war. Pour secourir Israël. To rescue Israel. Amen. Amen. Et tous les Juifs qui ont été tués au cours des années vont ressusciter. Et le millénium va commencer. And the millennium will start. Amen. Amen. Asseyez-vous. Sit down. Le millénium va commencer. The millennium will start. Où Jésus régnera. Where Jesus will reign. Comme roi. As a king. Des rois. Of kings. Je ne sais pas comment ça va se faire. I don't know how it's going to happen. Mais ça va se faire. But that will happen. C'est... Je vais vous lire le prophète. Vous n'allez pas dire que je connais quelque chose. You think I know something? I don't know anything. Une fois que l'église est enlevée. Once the church is raptured. C'est là que Moïse et Élie apparaissent. That's where Moses and Elijah appear. Dans Apocalypse 11. In Revelation 11, ils prêchent Jésus-Christ. They preach Jesus Christ. Le Saint-Esprit. They preach the Holy Spirit. Le Saint-Esprit se retire des nations. The Holy Spirit is withdrawn from the nations. L'enlèvement vient emporter l'Église. The rapture comes to take away the bride. Amen. Amen. Et ces Juifs se trouveront encore ici. And those Jews will still be there. On va leur prêcher l'Évangile pendant 3 ans et demi. The gospel is going to be preached to them for 3 years and a half. Ah. L'autre partie de 70e semaine de Daniel. The other part of the 70 week of Daniel. Vous comprenez ça? You understand that? C'est pas tellement difficile. It's not that difficult. Je pense que nous, Église, nous attendons maintenant quoi? I think as a church we're waiting for what? The rapture. L'enlèvement de l'Église. The rapture of the church. On n'attend pas autre chose. Don't wait for anything else. On a tout reçu. We received everything. Mais nous attendons l'enlèvement. But we wait for the rapture. Je voudrais que tout soit appuyé par le prophète. I want all to be backed up by the prophet. Moi, je peux commettre une erreur, mais I lui, can make non. A mistake, but him, no. Dans la prédication 70 semaines de Daniel, the sermon, the 70, la 70e semaine, the 70th of Daniel, ces deux prophètes prophétiseront pendant 260 jours. Those two prophets are going to prophesy for 260 days. Au milieu de la semaine, les Juifs, après, ils sont retranchés. In the middle of the week, they are cut off. Alors, c'est l'Armageddon qui s'installe. Then, the Armageddon is starting. Non, les tribulations viendront des Juifs will come from the Jews, qui écouteront la parole par les deux joints, but they're going to listen the word by the two qui frapperont la terre, they're going to strike the earth, et par la guerre by the war d'Armageddon, of Armageddon, la troisième guerre mondiale, the third world war. Paragraphe 215. Paragraph 215. Il dit ceci. This is what he says. Ces deux prophètes, quand ils apparaissent au milieu de la semaine. Those two prophets, when they appear in the middle of the week, are cut off. Et ils s'engagent dans le combat. And they step in the war, in the combat. L'Armageddon. The Armageddon. Vous voyez comment il fait ça? You see how he does that? Le prophète. The prophet. L'Armageddon. The Armageddon.
Alors c'est Dieu lui-même qui se met à parler. Then God himself starts speaking. Alors c'est lui qui se lève et se mêle dans ce combat. Then he's standing and mingling in that combat. Les prophètes prêchent la parole. The prophet preaches the word. Et le prophète frappe la terre. And the prophet strike the earth. Il prêche le nom de Jésus-Christ. They preach the name of Jesus Christ. Il baptise au nom de Jésus-Christ. They baptize in the name of Jesus Christ. Ils font les choses que nos pères apostoliques le faisaient. They do the thing that our fathers the apostles did. Et nombreux le suivront, 144 000. And many will follow them, 144,000. Je peux continuer? Can I continue? Yes. Écoutez-moi. Listen. Puisque l'âge est terminé. Because the age is finished. Et a été prolongé dans l'obscurité. And was put more time in the darkness. Et que l'épouse est appelée. Nous sommes déjà à la période de la tribulation. And the bride is called. We are already in the period of tribulation. Il dit l'épouse quand elle sera enlevée. He said the bride when she's going to be raptured. C'est là l'âge de l'église. C'est là où l'âge de l'église prend fin. That's when the age of the church is taking is at the end. Et Laodicée sombre dans le chaos. And Laodicea sinks in the chaos. Et l'épouse rentre dans la gloire. And the bride goes back in the glory. Et la période de la tribulation s'installe. And the period of tribulation installs itself. Sur les vierges folles. On the foolish virgin. Ils ont refusé le message. They refused the message. Ils ont refusé la voix. They refused the voice. Qui leur avait dit de se préparer. Told them to get ready. Ils entrent dans quoi? They get in what? Dans la période de la tribulation. The period of tribulation. Et Israël reçoit les deux prophètes. Israel received the two prophets. Et ensuite la tribulation s'installe sur Israël. And then the tribulation installed itself in Israel. Et ensuite, and then, quoi? What? Le combat d'Armageddon. The combat of Armageddon. Donc ils sortent de la tribulation des deux tribulation of the two anointed. Et ils entrent dans l'Armageddon. And they get into the Armageddon. Et qui détruit toutes choses. Destroying everything. Ça détruit vraiment toutes choses. That destroys everything. L'épouse revient avec qui? The bride comes back with who? Avec l'époux. With the groom. Et pour régner pendant 1000 ans. To reign for 1,000 years. Et après cela vient le jugement du trône blanc. After that comes the judgment in the white throne. Et la nouvelle ville qui descend du ciel. The new city coming down from heaven. Et l'éternité qui se fusionne avec la terre. And the eternity that fuses with the merge with the earth. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Mais avant d'entrer dans le millénium, before you get into the millennium, un ange puissant descend. A mighty angel comes down avec une chaîne, with a chain, pour lier le diable, to bite the devil. Ça c'est merveilleux. Apocalypse 21. Revelation 21 et 2. 21 and 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne à la main. And I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and the great chain in his hand. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. And he said, and he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. La prison du diable c'est 1000 ans. The devil's prison is for 1,000 years. Et tous qui ne vont pas mourir. And all won't die. Pendant la deuxième guerre mondiale. During the troisième. The third world war. Entreront dans le millennium. They will get into the millennium. Bon. Good. Et mauvais. And evil. Comme Satan sera lié. And Satan is going to be bound. Il y aura plus de boîtes de nuit. There won't be clubs. Il y aura plus d'hôtels. There won't be hotels. Il y aura plus de péché. There won't be sin. Il y aura plus de quoi encore? There won't be what else? Des homosexuels. Homosexuals. Plus de prostitution. No prostitution. Plus d'internet. No more internet. Non, il y aura pas de péché. Plus de magie. No more sins. Il y aura plus de sorciers, de magiciens. No more magicians, sorcerers. Satan sera lié. Satan is going to be bound. Et nous vivons.
We shall live. Exactement. Exactly. Comme Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Adam and Eve were living in the garden of Eden. Donc même la semence du diable sera avec nous. Even the seed of the devil is going to be with us. Mais ils commettront pas de péché. So they won't make sin. Parce que l'accusateur de frère. Because the brother's accuser will be bound. Il y aura pas de critiques. There won't be critics in there. Il y a pas de personne qui n'aime que critiquer les autres. No one who likes to critique people there. Personne ne vous écoutera et vous n'aimera. La Bible dit la connaissance de Dieu. The knowledge of God. Remplira la terre, the earth, comme l'eau remplit les océans. The earth fills the ocean. Donc, au lieu que les gens connaissent les footballeurs, the football, les basketteurs, the basket player, ils vont connaître la gloire de Dieu. They will know the glory of God. Ils vont connaître Jésus. They will know Jesus. Et puisque la Bible dit, the Bible says, le jour où tu mangeras, the day you're gonna eat, tu mourras certainement. Pour Dieu, le jour c'est 1000 ans. One day is 1,000 years. Ils doivent vivre pendant 1000 ans. They must live for 1,000 years. Le lion va manger de l'herbe exactement comme dans le jardin d'Eden. Will eat the grass exactly like in the garden of Eden. Le loup aussi. The wolf is va brouter de l'herbe. Will eat comme the dans le jardin d'Eden. Like in the garden of Eden. C'est écrit dans Isaïe 64. In Isaiah 64. Là, c'est devoir à la maison. There it's a homework. Amen. Amen. Gloire. Glory. Et nous vivons 1000 ans. We got only 1,000 years. Si quelqu'un commet un péché, on le tue. He's killed. Il sera maudit. He's gonna be cursed. Le vieillard. The elderly. L'enfant. The child. Vous savez, le vieillard meurt. No, the elderly dies. Là, c'est marqué. There they say. Le vieillard ne mourra pas. The elderly won't die. Isaïe 64. Isaiah 64. Vous savez, l'enfant, il naît comme ça, il meurt. Et là, c'est marqué, l'enfant ne mourra pas. The child will not die. Isaïe 64. Isaiah 64. Mon Dieu, God, tu es merveilleux. You are wonderful. Amen. Amen. Il dit, réjouissez-vous. He said, rejoice. Soyez toujours dans l'allégresse. Be all the time in the joy. Isaïe 64, 18. Isaiah 64, 18. Et il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse. I'll make of Jerusalem my joy. Hallelujah. Amen. Il n'y aura plus 20. Il n'y aura plus de nourrissons vivants. Quelques jours seulement. There won't be newborn living only for a few days. Ni de vieillards qui n'accomplissent pas ce jour. That doesn't fulfill his day. Et vous voyez, on parle aussi des pécheurs. Hein? Le pécheur âgé de Satan sait que même la semence du diable sera là. The sinner of 100 years. Ils bâtiront des maisons. They will build houses. Ils habiteront ces maisons. They're going to stay in those ils houses. Ils planteront. They're going to plant. Donc il y aura la nuit. There'll be the night. Il y aura le jour. There'll be the day. Vous allez planter. You will plant. Ça sera exactement comme nous sommes aujourd'hui. Exactly like we are today. Mais avec Jésus sur le trône de David. With Jesus on the throne of David. Je ne sais pas si vous me comprenez. I don't know if you understand. Yes. Nous aurons des corps glorifiés. We're gonna have glorified bodies. Mais beaucoup n'auront pas de corps glorifiés. But many won't have glorified bodies. Je crois que c'est nous qui allons régner avec lui. I believe we're gonna reign with him. Yes. Il va nous placer des rois quelque part. Put us king somewhere. Ça c'est moi, je peux commettre une erreur. I can make a mistake. Je crois que c'est ça. I believe that's it. Oui. Nous régnerons avec Jésus. Shall reign with Jesus. Et il va dominer le monde entier. He's gonna have dominion over all. Il ne va pas placer des chefs d'État. Place president. Il placera des rois. But he's gonna place kings. La Bible dit des rois viendront avec le produit. Avec with products. De leur pays. To give to the land. Pour donner au roi des rois. To give to the king of kings. C'est à cette époque-là qu'il sera le roi des rois. That the time is gonna be the king of kings. Et c'est à cette époque-là que le trône de David sera rétabli. That's when the throne of David is going to be restored. La question que les apôtres avaient posée dans Actes 2. In Act 2. Mais quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? When will you restore the kingdom of Israel? Il a dit. He said. C'est pas à vous de connaître ce que Dieu a préparé. You to know what God has prepared. Même les apôtres ne connaissaient pas ce que je prêche aujourd'hui. Even the apostles didn't know what I preach today. Ça appartient à Dieu. It belongs to God. Et quand il va rétablir le royaume d'Israël, when he's gonna, restore the kingdom of Israel, il régnera avec nous he's gonna reign with us pendant 1000 ans. For 1,000 years. On va cultiver. We shall, on va construire. We shall build. Et le diable est lié. The devil is bound. Mais après 1000 ans,
After 1,000 years. Je suis arrivé à la fin. I'm at the end. Satan sera délié. Satan is going to be unbound. Puisque maintenant Dieu a prouvé que Jésus est mort à la croix. Jesus died upon the cross. La sentence est enlevée. The sentence is removed. Donc vous ne mourrez pas. So you won't die anymore. Fini. That's it. Mais Dieu ne sauve que les siens. But God saves only his. Les siens. His. Celui qui n'est pas de Dieu. The one that is not of God. Même s'il fait 1,000 ans. Even though he spends 1,000 years. Il a toujours un mauvais cœur. He still has a bad heart. Alors après 1,000 ans. After 1,000 years. On libère le diable. They set the devil free. Quand le diable est libéré. When the devil is set free. Qu'est-ce qu'il va faire? What is he going to do? Il va commencer à attaquer encore les enfants de Dieu. He's going to start attacking again the children of God. Vous savez, la sorcellerie c'est quoi? You know what is the witchcraft? C'est la jalousie. It is jealousy. Est-ce que c'est vrai? Is it the truth? Yes. Mais c'est ça. Preach on that. Preach on that. Prenez Apocalypse 20. Take Revelation 20. Verset 7. Verse 7. Quand les 1,000 ans seront accomplis. When the 1,000 years are going to be fulfilled. Satan sera relâché de sa prison. Satan shall be loosed out of his prison. Il va dire, oh, Naomi quand même. Then he said, you know what, I've been there for 1,000 years. La Bible dit, il sortira. Bible says he shall go out. Pour faire quoi? To do what? Pour séduire les nations. To deceive the nations. Donc, il vous montre les choses, il illumine ça. Quand vous voyez les choses là qui brillent, là, il n'y a rien là-dedans. C'est la séduction. That the deceiving. Il sortira pour séduire les nations. Going to come to deceive the nations. Aux quatre coins de la terre. Which are the four corners of the earth. Amen. Amen. Et il va nous créer la guerre qu'on appelle Gog et Magog. He's going to create the war that is called Gog and Magog. Ça sera plus grande que la guerre d'Armageddon. That is going to be greater than the war of Armageddon. Vous savez, nous n'utilisons qu'une infime partie de notre cerveau. We use only a small part of our brain. Mais après 1,000 ans, after 1,000 years, peut-être que vous serez capable d'utiliser la moitié de votre cerveau. Maybe you're going to be able to use the half of your brain. Alors, on fera des bombes. The people are going to make bombs. 1,000 fois plus détruisantes que les bombes que nous avons ici. Bombs, evil than what we have today. Même Dieu lui-même va fuir. Even God himself is going to flee. Parce qu'ils vont attaquer le camp où se trouvaient les enfants de Dieu. They're going to attack the camp where the children of God are going to be. Et nous monterons au ciel. And we shall go in heaven. Nous rentrerons là où nous étions. Quand nous avons fêté pendant 3 ans et demi. We'll go back where we were when we party for 3 years and a half. Praise the Lord. Hallelujah. C'est 9. Ils montèrent à la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. They went up on the breadth of the earth and compares the camp of the saints about and the beloved. City. Je vous ai dit au commencement que vous êtes des bien-aimés. In the beginning that you created the beloved. J'avais menti. Did I tell lie? No. Et le diable sait. The devil knows. Que Dieu vous aime. That God loves you. C'est lui qui va vous attaquer. He's the one that will attack you. Vous n'avez pas besoin d'attaquer le diable. You don't need to attack the devil. No. No. Parce que vous avez l'amour dans vos cœurs. You have love in your heart. Mais qu'est-ce qui va arriver? What's going to happen? Nous allons monter. We shall go up. Et le feu descendu du ciel et les dévora. And fire of God came out of heaven and devoured them. Nous monterons. We shall go. Amen. Amen. Et le feu viendra. And the fire will come. Et les bombes là vont faire éclater le cratère de la terre. Bombs will make the crater. Il y a encore le feu à l'intérieur de la terre. There is still fire underneath the earth. Et le monde brûlera pendant 7 ans. And the world will burn for 7 years. Et après cela, and after that, il y aura une nouvelle terre, a new earth, et de nouveaux cieux, and new skies, et nous descendrons, and we shall come down. Amen.
Et nous allons ressusciter. Jésus va ressusciter tout ce monde-là. Jesus will rise all these people. Pour le jugement dernier. For the last judgment. Le jugement du trône blanc. The judgment of the white throne. Les personnes à qui vous avez apporté la parole de the people that you brought the word of God to, seront devant vous. Will be in front of you. Vous allez regarder. You're gonna look. Mais je t'avais dit la vérité. Pourquoi toi tu ne croyais pas? I told you the truth. Why you didn't believe? Savez-vous que les saints jugeront les anges? You know that the saints will judge the angels. Vous allez juger les anges. You will judge the angels. Verset 11. Verse 11. Puis je vis un grand trône blanc. Apocalypse 21. Revelation 21. Et je vis, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel. Et il fut plus trouvé de place pour eux. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face and the earth and heaven fled away. And there was found no place for them. Alors, les livres sont ouverts. So the books are open. Tout ce que tu fais all that you do est écrit quelque part. Is written somewhere. Et nous verrons ça. And we shall see it. Et celui qui est bon entrera. The one that is good is going to step in. Celui qui est mauvais n'entrera pas. Whoever is evil won't step in. Prenez 1 Corinthiens 5. Take 1 Corinthians 5. Celui qui est bon entrera. He that good will step in. Même s'il n'avait pas reçu Jésus. Even though he didn't receive Jesus. The one that has a wicked heart won't step in. Hébreux et plutôt Romains 6. Ignorez-vous. Romans 6. Oh. C'est 1 Corinthien. It is 1 Corinthians. 1 Corinthiens 6, 3. 1 Corinthiens 6, 3. Je commence même à 2. Starting off even ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Don't you know that the saints will judge the world? Amen. Amen. 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 3. Don't you know that we're going to judge the angels? Aujourd'hui, vous le savez. Today, you know it. Donc vous devez être plus juste que les anges. So you need to be more righteous than the angels. Vous devez savoir que vous êtes juste. You need to know that you're righteous. Ne mentez pas. Don't you lie. Dites toujours la vérité. Say the truth all the time. Même si on doit te tuer. Even though you're to be killed. La vérité ne quitte pas ta bouche. Don't let the truth leave your mouth. Celui qui est bien, il sait qu'il est bien. The one that is good knows that he's good. Vous le savez? You know it. Yes. Et je vous dis, and I'm telling you, beaucoup, many, n'entreront pas. Won't step in. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Do anything that you can do. Vous vous dépouillez les choses du monde. Stay away from the things of the world. Amen. Amen. Parce que c'est vous qui devez juger. Because you're the one that should judge. Ce monde ici. This world. Je crois que Jésus est arrivé à la fin. I think I am at the end. Donc les prostituées. So the prostitutes doivent changer. Must change. Parce qu'il n'y aura pas de prostitution au ciel. There won't be any prostitution in heaven. Les critiqueurs. The criticizers doivent changer. Must change. Parce que Dieu ne les veut pas au ciel. Because God does not want them in heaven. Les sorciers. The sorcerers doit changer. Must change. Parce que Dieu ne supportera pas cela. Because God is not going to bear with that. Amen. Amen. Je crois que je suis clair, n'est-ce pas? I think I'm clear, right? Yes, sir. Et dans ce procès-là, je peux regarder quelqu'un et dire, ah, toi, tu es bon. I can look at somebody and say you are good in that trial. Tu as aidé beaucoup de gens. You've helped so many people. Un médecin qui partait même dans la you were a doctor dans la neige pour sauver un enfant malade. Going in the snow to save a sick child. Entre. Come on in. Donc vous serez libre vous-même de faire entrer qui vous voulez. You're gonna be free to let anybody in whoever you want. Parce que vous serez capable de voir le cœur de quelqu'un. You're gonna be able to see somebody's heart.
Parce que tout ce que la parole de Dieu veut, because of that the word of God wants, que nous puissions changer. To change. Parce que celui qui n'est pas changé ne doit pas entrer au ciel. The one who is not changed is not going to get in heaven. Vous n'avez pas cru comme moi, non? You didn't believe là-bas, like il n'y en aura pas. Over there, you won't find that. On va regarder. You're gonna look. Toi, yeah. Tu es mauvais. You are evil. Toi-même, tu sais que tu es mauvais. You know it yourself. Tu es très très mauvais, mauvais cœur. You have a wicked heart. Pas moyen de te permettre d'entrer au ciel. No way to allow you to get in heaven. Un homme qui va au ciel doit être that goes to bon. Heaven must be good. Il doit avoir l'amour dans son cœur. Must have love in his heart. Pour entrer au ciel, to get in heaven, vous devez avoir le billet. You need to have the ticket. Et le ticket, c'est l'amour. The ticket is love. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Et après, and after, le jugement du trône blanc, the judgment of the white throne, Satan, et ses démons, and his demons, les deux tiers des anges qu'il avait gagnés, two thirds of the angels that he won, et toute son équipe, and all his team, il sera jeté dans les temps de feu. Is gonna be cast in the fire, in the pound of fire. Ils vont brûler jusqu'à l'extinction. They're gonna burn until they're gonna disappear. Et la nouvelle Jérusalem descendra and du ciel. And the new Jerusalem is gonna come down from heaven. Jésus a fait ça pendant des années. Jesus has done it for years. Avec des routes pavées d'or. With the streets that are made of gold. Fait du main de l'architecte Jésus. Made of the hand of the architect Jesus. Ne manquez pas ça, s'il vous plaît. Don't you miss it, please. Et tout sera bien. And all is going to be well. Il n'y aura pas de soleil. There won't be a sun. Parce que Jésus lui-même est le soleil. But Jesus himself is the sun. Parce que si on met le soleil, don't you say put the sun. Le soleil va se coucher, il y aura encore la nuit. The sun is going to set and there's going to be a night again. Il n'y aura jamais plus de nuit. There won't be any more night. Parce que nous vivons dans l'éternité. We're going to live in eternity. Vous faites 1000 ans, vous savez même pas que vous avez fait 1000 ans. You don't even know that you spent 1000 years. Vous ne pouvez pas imaginer ça. You cannot imagine it. Les choses anciennes sont passées. The old things are gone. Et toutes choses sont devenues nouvelles. All things became new. Amen. Amen. Il n'y aura plus de Satan. There won't be Satan anymore. Il n'y aura plus de péché. There won't be sin anymore. Nous vivrons éternellement. We shall live eternally. Non pas comme dans le millénium. Not like in the millennium. Où il y avait encore des pécheurs. Where there's the sinners. Mais nous n'aurons plus de pécheurs but à côté de nous. Any more sinners around us. Nous serons dans une vie où la terre vit sans péché. We shall be in a life, in a sinless life. Il dit quand le saint feu de Dieu stérilisera la terre. When the saint of God will cleanse the earth. Avec tous les produits chimiques qui sont dans la terre. With all the chemical products that are in the earth. Il aura enlevé son épouse. He's gonna take away. Qui rentrera au ciel. That will go back in heaven. Pendant que tout cela se déroule. While all that is happening. Pour ensuite revenir sur la terre. So then he can come down on the earth. Un nouveau ciel. A new heaven, une nouvelle terre. A new earth. Le froid d'hiver n'existera plus. The cold of winter won't exist anymore. La chaleur d'été n'existera plus. The heat of the summer won't exist anymore. Et le désert fleurira comme une rose. And the desert is gonna blossom like et a rose. Il n'y aura plus de péché. There won't ni be de pécheur. Sin and sinners. Et dans la terre, la nouvelle terre. And in the new earth. Et dans la nouvelle ville. The new city. Oh là là, écoutez bien, n'oubliez pas ceci. Listen very well. Donc Jésus a dit dans Jean 14. Jesus said in John 14. Je suis allé vous préparer une place. I went to prepare your place. Que votre cœur ne se trouble pas. Let your heart not be troubled. J'ai une raison de partir. I have a reason to go. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Believe in God and believe in me as well. Je vais vous préparer une place. I'm going to prepare your place. Quand j'aurai tout préparé, when I'm going to prepare everything, je reviendrai. I'll come back. Je vous prendrai avec moi. I'm going to take you with me. Christ est occupé maintenant à construire la nouvelle Jérusalem. Christ is busy now building the new Jerusalem. Ça descendra du ciel. You're going to come down from heaven. Amen. Amen. Ça se posera au centre de la terre. It's going to be the center of the earth. Là où se trouve la pyramide d'Enoch. There where the pyramid of Enoch is. Cette pyramide n'a pas d'ombre. The pyramid doesn't have any shadow. C'est au milieu du monde. It's in the middle of the world. Et ça aura 2400
kilomètres carrés. It's going to have 24,000 kilometers square. C'est là où nous vivrons. That's where we're going to live. Avec notre époux. With our groom. Le Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus Christ. Tout ce que je vous ai dit. As I've told you. Se trouve dans la Bible. It's in the Bible. Époux de Jésus. As-tu déjà pensé à cela? Bride of Jesus, have you thought about it? Dieu a tout préparé. God already prepared pour vous. For you. Il est l'architecte divin. He's the divine architect. Maintenant, vous connaissez cela. Now you know it. Et vous préparez-vous pour cette vie-là. Prepare yourself for that life. Votre Dieu. Your God. L'architecte divin a conçu la ville. The divine architect has built. Il veut vivre avec son épouse là-bas. The city. He wanna live. Il veut vivre avec son église là-bas. He wanna live with his service. Selon votre goût. According to your taste. Tout ce que vous avez aimé sur la terre. All that you loved on earth. Que vous n'avez pas eu. That you didn't get. Dieu va vous l'accorder là-bas. God will grant it to you there. Si vous aimez les montagnes, if you love the mountains, vous verrez les montagnes là-bas. You see the mountain there. Qu'est-ce que tu aimes, mon frère? What do you love, my brother? Qu'est-ce que tu aimes, ma sœur? What do you love, my sister? Frère Branham n'avait pas l'argent pour payer Branham son... didn't have the money to buy. Sa chaise. His chair. On était venu lui arracher la chaise. They came to take the chair. Mais quand il était parti au paradis, when he went in paradise, il a retrouvé sa chaise là-bas. He found his chair there. Tout ce que tu as aimé, all that you love, Dieu te l'accordera là-bas. God will bring it to you there. Et tu vivras dans la félicité. You're gonna live in the bliss. À côté de Dieu, on the side of God, ce que l'œil n'a pas encore vu, what the eyes hasn't seen, tu le verras. You will see it. Ce que l'oreille n'a pas entendu, what the ears didn't hear, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, never came up on the heart, tu le verras. You will see it. Je peux tout dire, I can say everything, mais je suis en train de fleurir cela. I am just touching it. Tu verras la gloire. You will see the glory. La gloire de Dieu. The glory of God. Tout ce qui est sur la terre. All that is on the earth. C'est rien du tout. Nothing really. Ne manquez pas le ciel. Don't you miss heaven. Et il y aura jamais plus de jours. There won't be any more days. Il y aura jamais plus de mort. No more death. Il y aura plus d'âge. No more ages. Nous redeviendrons tous jeunes. We will turn everybody young. Rappelez-vous. Remember. Tel que vous me voyez ici. The way you see me. Il y a aussi un ciel. There is a heaven. Qui vous attend. That is awaiting you. Où est-ce que vous voulez partir? Where do you want to go? Il y a un ciel qui vous attend. There is a heaven awaiting you. Prêchez à vos enfants. Preach your children. Ne pas manquer le ciel. Do not miss heaven. Je m'arrête là. I'm stopping there. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. L'Amérique qui vous attend là-bas. It's not America awaiting you there. Ce n'est pas le Japon qui vous attend là-bas. It's not Japan waiting you there. Ce n'est pas la Chine qui vous attend. Not China waiting. Je viens de la Chine. Coming from China. C'est plus que les États-Unis aujourd'hui. Today. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Mais une ville remplie d'or. But the city full of gold. Et personne pour voler cet or là. No one to steal that gold. Et toi tu marcheras sur ça. And you're gonna walk up on it. Une ville qui n'a pas d'hôpitaux. A city with no hospital. Pas de cimetière. No graveyards. Ne manquez pas cela. Don't you miss it. Où il n'y a que l'amour. There is only love. La paix. The peace. La compréhension. The understanding. La confiance. The confidence. Moi, je ne vais pas manquer ça. I don't want to miss it. Dieu a fait que je voie ça. God made me to see it. Je le remercie. I thank him. Qui veut aussi voir le ciel? Who want to see heaven? Merci beaucoup. Thank you very much. Levez-vous, je vais prier. Stand up, I'm going to pray for you guys. Je ne sais pas s'il y a des questions. I don't know if there are questions. Après. After. Il y a encore des questions. Are there still questions? Quand je pense. À l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je veux chanter Alléluia, merci pour Golgotha. Oh, quand je pense à l'amour de Jésus, oui, de Jésus, oui, et à tout ce qu'il a fait pour moi, oui, alors je veux chanter.
Alléluia. Oh, merci pour Golgotha. Maintenant, vous êtes au courant de tout. Now you are aware about everything. Daniel a demandé une petite chose. Daniel asked something little. Pour que Dieu puisse l'aider. So God can help him. Parce qu'il restait 2 ans, il voulait rentrer. He was 2 years away about to go. À Jérusalem. In Jerusalem. Mais Dieu lui a donné tout. But God gave him everything. Tout. Everything. Tout. Everything. Jusqu'à la fin du monde. Until the end of the world. Tu peux peut-être demander quelque chose pour Maybe toi. You can ask something for you. Je voudrais que Dieu te donne tout. I want God to give you everything. Tout. Everything. Ce qui est plus important. What is more important? C'est le ciel. Is heaven. Levez vos mains, je vais prier. Si vous avez. Raise your hand. Raise your hand if you have any. Dieu notre Père céleste. God our Heavenly Father. Je suis un pécheur sauvé par grâce. I am a sinner saved by grace. J'ai honte de moi-même, Seigneur. I'm ashamed of myself, Lord. Mais je suis obligé de parler. But I am obligated to speak. À mes frères, à mes sœurs. My brothers, my sisters. De la vérité que tu as révélée dans cet âge-là. Of the truth you revealed in this age. Je voudrais que chacun de nous puissions. I want each one of us. Être au paradis. To be in the paradise. Être avec toi ce jour-là. To be with you that day. Et vivre éternellement. And to live eternally. Je voudrais vraiment que personne manque cela. I really want for nobody to miss it, Lord. Je prêchais pour le salut de l'âme, Seigneur. I've preached for the soul salvation, Lord. Sauve nos âmes. Save our souls. Sauve mon âme, Seigneur. Save my soul, Lord. Sauve mon âme, Jésus. Save my soul, Jesus. Je voudrais pas manquer cela. I don't want to miss it. Comme l'a dit Paul. As Paul said. Après avoir prêché aux autres. After preaching to the other ones. Je sais que je leur ai dit la vérité. I know I've taught them the truth. Aide-moi. Help me. Aide chacun de nous, Seigneur. Help each one of us, Lord. À vivre près de toi. To live closer to you. Jusqu'à ce que tu viendras. Until you're gonna come back. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Don't abandon us, Lord. Nous ne sommes que la chair. We are just the sheep. Nous sommes une molle de terre que toi tu avais pris. We are just the ground that you took. Rempli de faiblesse, Seigneur. Full of weakness, Lord. Mais nous voulons voir ta gloire un jour. We want to see your glory one day. Que le Saint-Esprit. May the Holy Spirit. Entre dans chaque vie. Get in each life. Qu'à partir de maintenant. From now on. Vous soyez plus fort que votre faiblesse. You be strong for your weakness. Que vous preniez au sérieux. Take seriously. Votre propre. Your own. Destiny. Tout ce que vous faites est écrit. All that you do is written. Demandez pardon à Jésus. Ask forgiveness to Jesus. Demandez pardon à votre femme. Ask forgiveness to your wife. Réparez. Get right. Avec votre mari. With your husband. Réparez avec votre prochain. Get right with your neighbor. Ne manquez pas le ciel. Don't you miss heaven. Priez pour moi. Pray for me. Je suis votre frère. I'm your brother. J'ai besoin de vos prières. I need your prayers. Je voudrais pas manquer aussi. I don't want to miss it. Comme l'a dit Paul. He said Paul. Après avoir prêché aux autres. After preaching to the other ones. Jeté dehors. I to be thrown out. Je veux être moi aussi là. I want to be me too. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que tu m'as aidé. Because you helped me. Tu m'as aidé Jésus. You helped me Jesus. Je peux voir ta main. You could see your hand. Je te dis merci. Telling you thank pour you. Pour m'avoir aidé. For helping me. C'est toi qui as prêché. You the one that preached. Qu'ils puissent te voir Seigneur. May they see you Jesus. Réveille nos cœurs. Wake the heart. Oh, réveille Lord. Nos âmes. Wake our souls. Réveille nous Seigneur. Wake us Lord. Il est plus tard. It is later. Que nous le pensons. Than we think. L'économie de ce monde est en train de se crouler. The world is dying. L'économie de ce monde est en train de faillir. Le péché est partout. The sin is everywhere. L'homosexualité est en train d'être acceptée. Is being accepted. Comme si c'était une bonne chose. As it was oh Dieu. Oh God. Envoie le Saint-Esprit Seigneur. The Holy Spirit, Lord. Dans le cœur de chacun. In each one of us, Lord. Que nos vies changent. May our life change. Que nous puissions prier. May us pray. Jusqu'à ce que nous changions. Until we change, yes. Jusqu'à ce que nous changions. Until we change. Jusqu'à ce que nous changions. Until we change. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions. We don't want to depart the way we came. Nous ne voulons pas sortir. You don't want to come avec nos péchés, Seigneur. With our sins, Lord. Que les péchés restent ici. May our sins stay. Et que le Saint-Esprit May the Holy Spirit change chacun de change nous. Change each one of us.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. We need you, Lord. Sanctifie nos vies. Sanctify our lives. Sanctifie nos pensées. Sanctify our thoughts. Nettoie notre mémoire. Cleanse our memories. Je brise. I break. Tout ce que le diable a placé. All that the devil put. À partir des liens de famille, the part of the family, je brise cela. I break it. À partir des fétiches, from the je brise cela au nom de Jésus. Break in the name of Jesus. Oh Dieu, yes. Tu brises ça. Oh Almighty God. Que ta vie, may your life, puisse avoir de la victoire dans nos vies. And victory in our lives. Nous voulons être tes enfants. We want to be your children. Nous voulons vivre comme toi. We want to live like you. En obéissant au Père. Obeying to the Father. In everything. De soit la gloire, Seigneur. Give the glory, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Je vois mon ami, le frère Étienne est venu. Que Dieu le bénisse. Il est là. I see my friend, brother Étienne is come. He's there. Ah, que Dieu te bénisse. May God bless you. Je l'avais invité, j'ai dit, je vais prêcher une très grande chose. Preach upon a great thing. Acclamez très fort. Put your hands together. Et ma sœur José. My sister Josie. Levez-vous aussi. Stand up, please. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Vous savez, un jour au ciel, no one day in heaven, on vivra éternellement. We shall live eternally. Et rien ne pourra plus nous séparer. Nothing can separate us. Et ils sont venus avec leurs enfants. Levez-vous, with les the enfants. Children. The children stand up. Je vous aime beaucoup, mes cocos. I love all of you. Vous, my grandchildren. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort. Put your hands together. Qu'est-ce qu'on peut chanter, frère? What can we sing? Moi, j'aime adorer le Seigneur. I love to worship the Lord. Passez le panier. Bring in the basket. Dieu notre Père céleste. God our Heavenly Father. Vraiment, tu étais avec nous, Seigneur. Really, you are with us, Lord. Nous te disons merci. We tell you thank you. Le panier va passer, Seigneur. The basket will circulate, Lord. Et chacun donnera quelque chose. Each one is going to give something. Celui qui n'en a pas, those who don't have, que tu le bénisses aussi. Bless them as well. Bénis tous ceux qui vont donner. Bless all those who are going to give. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. We ask you it in the name of Jesus. Amen. 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 Il y a une ville où il est bien, pour la nuit. Si nous sommes fidèles, nous y arriverons. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. Dans ces cités, où l'agneau est la lumière. Dans ces cités, c'est la cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans ces cités, où l'agneau est la lumière. Oui, c'est la cité. Mais nous savons que c'est le soleil qui lui sur nous maintenant. Deviendra nuage et puis quand nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Oui, dans ces cités. Dans cette cité où l'agneau.
Thank you very much. Pasteur Atapis. Pasteur Atapis. C'est vraiment les cantiques que je voulais. That's really the song I wanted. C'est spirituel. That's spiritual. Et on m'a dit que il y a des gens qui ont des questions. Si je pars mardi à Dallas. Questions because Tuesday I'm going to Dallas. Donc je répondrai aux questions quand je reviendrai. Or should I answer to the questions when I'm coming back? Qui a une question? Who has
equation. Il n'y a pas de question. Je suis un bon professeur. There is no question. Then I'm a good professor. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Will you pray for me? Ok. Allez, je vous reviens dans trois semaines. I'm coming back in 3 weeks. Pour aller aussi visiter Dallas et visit Canada. J'ai aussi une Canada. Fille là-bas. I got a daughter there. Naomi. Vous voyez, Dieu m'a donné des filles. See, God gave me girls. Vous voyez, il y a, comment on appelle ça, frère Étienne, il est là. How do you call it, brother? Comment on appelle ça, le... Les hommes aiment beaucoup. Complexe de deep. Yeah, ils aiment. Complex. Moi, j'aime mes filles. I love my daughters. Maman, Afo doit aimer mes garçons. God, I love my boys. Moi, c'est comme ça. On a peint ma photo, la photo plutôt de ma mère. Je ne voulais pas voir ça. My mother, I didn't want to see it. J'ai refusé. I didn't want to see it. Parce que quand je vois la photo, c'est grand, when bien peint. Great, c'est comme si je voyais ma mère. Like je veux la voir au ciel. I want to see her in heaven. Je veux pas la voir ici. I don't want to see her here. Je ferai tout pour entrer au ciel pour voir ma mère. Everything to see my mother as well. Donc, j'irai au Canada aussi à cause de ma fille. Canada as well because of my daughter Mwali. Et je vous reviendrai ici. I'll come back here. Je verrai que 2 semaines là-bas. Only 2 weeks. 2 weeks I'm going to spend. Non, je suis plus ici que partout. I am more here than anywhere else. Je vous aime beaucoup. I love you very much. Vous m'aimez aussi? Do you love me? La sœur avait la maladie là, au niveau du nombril. Il est là? Yes. Elle est là? In the bottom belly. Elle avait, lève-toi, elle avait. Stand up, she had. Comment on appelle ça là? Hernie ombilicale. In the bottom belly. Quand Dieu avait dit, ici vous verrez ma gloire. God said here, you're going to see my glory. Je l'avais pas touché, je savais même pas. I didn't touch her, she didn't even know. Quand je priais, ça a disparu. That disappeared. C'était gonflé, elle pouvait toucher ça. It was swollen. Juste quand j'ai dit amen. When I said amen. Le diable m'a dit oui, je pars. The devil said yes, let me go. Amen. Vous aussi, je suis sûr que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui. You do receive something. Yes. Que cette joie ne vous quitte pas. Let this joy not leave you. Cette joie là, c'est le Saint-Esprit. This joy is the Holy Spirit. Comment? Que cette joie vous pousse à marcher comme Let le Seigneur, push you to à parler comme le Seigneur, like à vivre comme le Seigneur, to live like the être Lord. Comme Jésus, to be like Jesus. Être comme Jésus, being like Jesus. Tous les jours de All ma the vie, day of my life. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Amen. Vous voulez être comme Jésus? You want to be like Jesus? Yes. Et il vous accordera le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la force de vivre comme Jésus. The Holy Spirit is going to give you the strength to live like Jesus. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Je laisse à notre pasteur. I give back. C'est mon pasteur associé. Pastor, même si je l'appelle votre notre pasteur, c'est toujours mon pasteur associé. That's still je suis jaloux de cette église. I am jealous. Bon, c'est mon pasteur. That's my pastor. Je vous assure, avoir un homme comme ça, c'est pas facile. Like him, it's not easy. C'est vrai. Dieu se sert de lui. God uses him. Parce qu'il voulait tellement cette puissance. Because he really wanted that power. Il m'a dit, comment tu fais pour avoir une grande puissance? How do you have such a great power? Il m'a dit, arrête la pluie. He said, stop the rain. J'ai dit, ah, on ne joue pas avec le don de don't Dieu. Don't you play with the gift of God. Alors, il a tellement parlé, je suis allé dormir. So much, I went to sleep. Le matin, la pluie a commencé. The morning, the rain starts. On partait où? Where on going? Au zoo. Au zoo. Ah, j'ai parlé à la pluie. I spoke to the rain. Arrête de tomber. Stop falling. Et la pluie s'est arrêtée. And the rain stopped. J'ai dit que le soleil sorte. They let the sun come. Et le soleil est sorti. And the sun came. Il a dit, oh, gloire! Je n'ai pas terminé. I said, I'm not done. Non, je n'ai pas terminé. No, I'm not done. Soleil. Sun. Retourne un peu. Come back a little bit. Que ça soit un jour nuageux jusqu'à ce que nous allons visiter le zoo. Shall visit the zoo. Et le soleil est allé. And the sun went. Et le jour est devenu nuageux. The zoo became cloudy. Vous direz que c'est un hasard. Gotta say it's some chance.
Je ne crois pas. I don't believe that. C'est Dieu. It's God. Il agit à travers des hommes. He works through men. Alors depuis qu'il a vu ça, ever since he saw that, il est fort. He is strong. Maintenant quand il parle, now when he speaks, la chose arrive. The thing happens. Il est comme Josué. It's like Joshua. Quand il a vu Jésus, when he saw Moïse ouvrir Moses opening, la mer rouge, the lui aussi il a dit, hey, he said, hey, Jordan. Et Dieu l'a accompli. And God fulfilled it. Il est exactement comme Élisée. It's just like Elijah. Quand il a vu Élie ouvrir, when he saw Elijah opening, c'était quoi? Le Jourdain a souffert quand même. Jordan suffered, right? Lui, il est rentré. He went back. Il a dit, où est le Dieu d'Ali? Jourdain, ouvre-toi. Open up. Jourdain s'est ouvert. Jordan, ce sont des miracles, mes frères, que vous pouvez faire. That you can do. Votre Dieu, your God, est miraculeux. He's miraculous. Amen. Donne-lui des acclamations, des cris de joie. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus-Christ.